bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous sommes en live et nous sommes sur Zelda. Je vous avais promis que si vous étiez très nombreux ou nombreux à demander, pas dit Pécor au fin fond du village Cocorico, à demander la suite de notre aventure sur Zelda Breath of the Wild, qui je le rappelle fait très musique de rock, bref, longue histoire, très longue histoire. Et vous avez été nombreux, à demander une suite, donc on se retrouve ensemble. Deux heures, voilà, on va se retrouver ensemble deux heures. C'est moi qui ai décidé, donc ça va se passer comme ça les gars. On va se retrouver ensemble deux heures au minimum pour continuer d'avancer sur ce Zelda. Alors les gars, je me suis préparé un petit Kit Kat, voilà. Kit Kat, nouvelle recette, croquet fondé. Croquet fondé, ça doit être sans doute sponsorisé par Cyril Lignac. Fondé une croquet, fondé une croquet. Je ne sais pas le faire quand j'ai le nez bouché, voilà. Bon les gars, jugez pas. On est donc parti pour notre épisode 2, avec bien évidemment une rediffusion. Je suis... sur manette pro, sur manette Switch Pro, appelez-le comme vous voulez, on en a rien à foutre au final. Et c'est beaucoup plus agréable, c'est comme une manette, c'est incroyable. J'ai l'impression de revivre, nous sommes enfin... Alors c'est bien pour le côté portatif hein, la Switch, hein. T'es là, tu te mets deux Joy-Con dans le trou de balle, tu vois flou. Mais en dehors de ça, une manette Switch Pro, y a rien de mieux les gars, y a rien de mieux. Y a monsieur Rook qui dit B-Boy je te kiffe, merci frère, moi aussi je me kiffe et ça fait plaisir. Donc on est parti les gars, alors... on était descendu du plateau, le grand plateau qu'il faut que j'arrive à retrouver d'ailleurs. Il est grand mais je ne le vois pas, voilà, je ne sais pas où il est. Le grand plateau était là-haut, voilà, il était là-haut. On était sorti du grand plateau grâce à une MLG incroyable, hein, les gars, à la fin de l'épisode 1. Foncez à la fin de l'épisode 1, il y avait une MLG totalement dingue. On avait fait ce petit temple, en descendant. Et puis là, bon, bah, il nous reste notre aventure à vivre. Donc c'est parti. Alors, j'ai pas commencé à me free fight contre tout le monde. On va aller regarder la carte. Par contre, vu que je suis sur manette, les touches sont forcément différentes. Et c'est là, ça va poser un petit peu. Pas problème, mais quand même. Là t'es chiant par contre. Mais gros, t'es pire forceur ever, frère. T'es fanboy ou quoi? Lâche-moi. Je ferai pas de dédicace. Tu me saoules, on est en live, mec. Voilà. Ah, le mec gênant, quoi, sérieux. Donc, on va essayer de monter là-dessus sans mourir. Y'a quelqu'un là-haut. Qui c'est? C'est un méchant? On dirait un gentil. Ok, on va les voir, les gars. On va les voir. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse à bord. Donc, on est parti. Je vais regarder la carte. Nous devions aller là-haut, bien évidemment. Qui était près du village Cocorico. Apparemment, c'est un village, gros, il y a des poules. Il y a des poules, ils se sont dit, comment on peut appeler ce village? Parce qu'au final, il y a des poules, c'est incroyable. Mais, eh ben, Cocorico! Parce que le matin, quand tu te réveilles, la poule, elle fait Cocorico! Enfin, normalement, bien évidemment. C'est possible qu'elle bouffe 2-3 syllabes au passage. Les gars, on va pas lui en vouloir. C'est une poule, d'accord? Elle peut pas forcément réfléchir au-delà de son... C'est vrai que le cerveau d'une poule, c'est chaud quand même, hein. Bah gros, je sais bien que nous on utilise 10% de notre cerveau, enfin 10% de notre cerveau, c'est voilà, donc si une poule utilise 10% de son cerveau, c'est la fin du monde. Mais non, dis pas ça, t'es défaitiste. Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Oh mais le ric, hein. Oh le mec qui fait genre, tu sais, il n'y a pas de soleil, mais il met sa main au-dessus des yeux, genre il voit plus loin, tu vois. C'est une sorte de main jumelle, je ne sais pas exactement. Ok. Il s'appelle Garadon. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Mais non, mais mec, dis pas ça. T'es qui, toi? Je te connais pas. Normal, 100 ans de sommeil, cousin. Sacrée soirée que j'ai passée, hein. Bah, peu importe, en fait. J'en ai marre de parler tout seul. Alors, ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Non, mais gros, je ne veux pas te parler, en fait. Dis-moi, t'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Je te parle pas de truffes. Oh, incroyable. Je te parle des tours, là. Oui, oui, il faut que j'aille autour, d'ailleurs. Il paraît qu'il y en a partout, maintenant. Oui, mais c'est ça qui me donne la carte. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des lits se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire? Que la fin du monde est proche. Du coup, je garde un œil sur ce machin-là. On sait jamais. Il pourrait se remettre à bouger lui aussi. Quel machin? Qu'est-ce que tu regardes, cousin? Attendez, on va essayer de deviner avant qu'il nous le dise. Ah, je pense qu'il parle de la bête là-bas. On va faire genre. Bah, enfin, le gardien! Tu connais pas l'histoire d'Hyrule ou quoi? Tu le vois là-bas? Le machin qui ressemble à une urne à l'envers. On n'a pas la même notion d'urne, les gars. Je sais bien que les votes de présidentiel, ça va être assez compliqué. Mais enfin, là, les gars, c'est spécial. Hein. Donc, je me suis déjà fait pourchasser par l'un d'entre eux, tu sais, par celui-là. On va faire genre l'étonné. Ah bon? Non, c'en était un autre. C'est terrible. C'était vers le château d'Hyrule, juste avant un bosquet. Là, il nous donne une petite... tu vois ce que je veux dire? Un petit truc pour nous dire que, voilà, là-bas, il y a un gardien. Ok, quand ces machins repèrent une cible, ils la visent avec un pointeur rouge. Et là, pas moyen de discuter, ils te poursuivent jusqu'à la mort.
J'ai cru que c'en était fini de moi, mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou et je me suis caché dans le bosquet. Très bien, bien joué à toi en tout cas. Tu crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvé? Sûrement pas. C'est vraiment un miracle que j'ai pu en réchapper, je t'assure. Encore aujourd'hui, il y a un paquet qui se balade autour du château. Sois prudent. Merci à toi, jeune aventurier. On se retrouve en enfer. D'accord, bon, regardez là-haut. Vous voyez la tour? On va aller la prendre. Parce qu'elle va nous donner un point de vue magnifique. Le jeu, eh ben le jeu est beau, les gars. Oui, le jeu est beau. Alors, c'est pas la même beauté que qu'un horizon. Parce que là, c'est beau, mais c'est vide. Mais le jeu est beau, le jeu est agréable. Le jeu, t'as envie de marcher dedans, t'as envie de courir au gré des sentiers. T'as envie d'arracher des... C'est des chèvres? T'as envie d'arracher des chèvres, t'as envie de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est cool. Et ça, j'ai jamais de flèches. Putain, les gars, faut vraiment que je trouve un moyen d'avoir des flèches très rapidement. On va essayer de soulever un petit... comment on peut appeler ça? Ah, voilà. Un petit poste d'avant-garde. Oh, j'ai pas de flèches. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Le jeu est difficile, les gars. Hein. Honnêtement, le jeu est difficile. Hein. Je suis pas mort beaucoup de fois, mis à part mes conneries qui m'ont tué, bien évidemment. Mais le jeu est pas facile. Ok. Vu qu'ils dorment, il y a moyen que je les arrache à l'alsacienne. Tu m'as pas vu. Tu me vois pas. Hop, un petit lézard. Ouais, les gars. Ok, il m'a vu. Il m'a vu, il a réveillé tous ses congénères. Oh putain, il y a un mec plus fort que les autres. Comment on peut faire? Ils arrivent! Assaut! On est parti! Hop! Ok, d'accord, un plaisir. Ah, relève-toi, Link! Ah! Us! Arrêtez, les mecs! Ok, oh, c'est chaud! Il m'a enculé, les mecs. Ok, comment on va faire? On va manger déjà une petite viande grillée. Toujours savoir se reposer. Et une petite pomme grillée. Non mais attends, là ils me remettent un coup, de toute façon je suis mort dans le film. Plat douteux, la tête de ma mère que je vais le manger ce plat douteux. Les gars, je l'ai cuisiné, même si ça doit m'emmener en enfer, je le boufferai ce plat. Et c'est le cancer qui m'attend. Oh quoi? Oh, ça m'a requinque. Ok. Non. Ah putain, salopard. Ok, j'ai tué celui qui met le plus de dégâts. Par contre... Hop. Oh oui. Oh, regardez ça, regardez. Faut s'arrêter par contre. Parce que j'ai plus de respiration au bout d'un moment. Ok. Le petit combo, les gars. Si je peux régaler, moi, il n'y a pas de souci. Donc, comment on va faire? Lui, faut le feinter. Faut la jouer un télo. Ah, du crabe grillé, j'adore ça. La chair tendre et délicieuse parfumée de ce crabe en fait un mets de premier choix, dont même la carapace dégage une odeur agréable. Oh, il y a des rubis! Rubis bleu, 5 rubis, son éclat azuré vous donne le sourire. Bah, tu m'étonnes. Oh, t'es là, tu trouves un petit bifton de 5, tu vas pas me dire que tu commences à chialer, quoi, tu vois. Ok, on est parti. On va l'arracher, j'arrive, frérot. Tu fais le show là-haut, descends. Descends si t'es un putain de bonhomme. Eh, t'es pas un bonhomme, toi. Toi, t'as pas de couilles, toi. Hop, alors. Ah, faut taper par contre, Link. Là, c'est gênant. Quand tu tapes pas comme ça, c'est super gênant, tu vois. Ok. Un nouvel avant-poste et un nouveau coffre. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que nous sommes en live, évidemment. J'ai lu le chat de temps en temps parce qu'il y a eu un don incroyable. Et nous avons Samba. Samba, Tiziane. Tu live depuis quand? Tu es un mec génial. Oh, merci. Reste le même. C'est agréable de regarder le jeu avec toi. Jeu magnifique. Merci à toi, Sambash. D'ailleurs, j'ai arraché ton pseudo. J'en suis fort désolé. Merci à toi, Sambash. Et pour te répondre, je live depuis pas longtemps. Tu n'as pas loupé grand-chose. Voilà, tu n'as pas loupé grand-chose. C'est dur, hein. C'est dur, les gars. 19h30 un dimanche, les gars, c'est pas facile. Si ça lag, veuillez m'excuser. Hein, je suis sur une 4G, je me débrouille avec ce que j'ai. Voilà, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai toujours pas la fibre optique, mais on y arrivera. On va y arriver, les gars, avec les faibles moyens du bord. J'ai enfin des flèches, 5 flèches de bois, c'est incroyable. Et on va récupérer, bien évidemment, le trésor. C'est dommage de partir sans. Il y a un gigot. Tiens, on le prend. Hop, voilà, impeccable. Et en plus, je suis pas mort, vous avez vu. Donc, ce qui est bien, c'est que quand t'es dans les menus, faut pas hésiter à mettre pause, en fait. Parce que quand tu mets pause, ça met pause au jeu et tu peux te requinquer. Opale brute! Ce minerai d'Hyrule, au reflet irisé, semblable à ceux d'un coquillage, renfermerait la puissance de l'eau. D'accord. On est parti, les gars? Parce que mine de rien, c'est bien beau. Là, on fait de la balade, on fait de la visite, mais on n'avance pas! On n'avance pas et j'avais vu une tour. Putain, elle est où? Oh, il y a un drapeau. C'est incroyable. J'hésite à accélérer. On accélère. Je vais mourir.
On va mourir. Non, si près du but. Link, ne coule pas. Oh non, mais il y a 1m30 d'eau, cousin. Arrête un peu, c'est gênant. Allez, bah on est reparti. On évite d'accélérer. Ah, mais quand t'accélères pas, c'est chiant. Ah, bah tout de suite, ta vie est moins intéressante. Ok, peut-être qu'en accélérant dans le sens du vent, je ne sais pas, je ferai des diagonales bien plus rapides. C'est mieux que lutter. Oh, attendez. Oh, oui, c'est pas mal, ça. Et voilà, mon pote. Ok. Elle est là, la tour. Mais voilà, elle est là. Pas de panique. Je commençais à paniquer, là. J'avais envie de tout brûler. C'est bon, les mecs. Ok. Ah, c'est beaucoup plus agréable avec une manette pro. Oh, le plaisir. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu, quoi. J'ai l'impression de vraiment redécouvrir le jeu. Et il y a eu un don. Nico Legrand, salut, B-Boy. Tu fais un let's play sur ce superbe Zelda. C'est énorme. C'est vous qui m'avez donné envie, vraiment, hein. J'avais adoré la première partie, donc continue comme ça, tu nous régales, frère. C'est vous qui me régalez, les gars. Je cesserai de me répéter, je vais pas faire le focus, mais c'est si je fais... Bon, un let's play, c'est encore... Oh la vache, c'est encore vite dit, mais ouais, bon, j'ai travaillé les esquives naturelles, hein. C'est vrai que j'ai une faculté pour esquiver les flèches. Un let's play, c'est encore vite dit, mais enfin bon, vous m'avez tellement motivé avec l'épisode 1, je me dis si l'épisode 2 vous motivez autant. Et vous avez vu, j'ai pas regardé les vues, hein. Parce que c'était pas dingue, le nombre de vues en soi. Mais voilà, c'était fou. Alors attendez, j'ai monté un peu le son parce que j'ai encore loupé quelqu'un qui a sponsorisé. Et c'était Monsieur Pixous. Pixcou, voilà. Merci à toi, Monsieur Pixcou. C'est vous qui m'avez motivé, voilà, à continuer. Et comme je vous disais, j'ai pas regardé le nombre de vues. Parce que le nombre de vues est pas fou. On a fait 50 000 vues en 24 heures. C'est une rediff de 2h40. Il y en a qui ont lâché, frère, au bout de 30 minutes, tu vois, miskin. Mais voilà, il y avait tellement de commentaires pour me dire vas-y, B-Boy, je te kiffe, je te suce et tout. Moi, franchement, dès qu'il y a pipri, bon bah voilà, j'ai envie de continuer quoi. Vous me donnez faim, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est parti. Ah. Attendez. Petit malin. Petit malin que tu es. Je peux l'enculer par derrière? Attendez, on va essayer de vérifier ça. Surprendre! Oh, il était surpris, là. Oh, il était super surpris. Quentin, Yo B-Boy, je suis tellement surpris. Comment les ennemis te font mal? Ah oui, ça, c'est ce qui fait que le jeu est pas évident. Continue tes vidéos. Par ailleurs, question technique. Ah, merde. C'est dur. Bah, attends, je vais lire. Ça a disparu de l'écran. Question technique. Ta Switch, il faut que tu le branches sur le dock ou tu peux brancher un câble dessus pour la charger? Tu peux brancher un câble sur la Switch pour la charger pendant que tu joues. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça met autant de temps. J'ai récupéré des flèches parce qu'il m'en fallait. Il m'en fallait. Et on a quoi là? On a un tonneau explosif, ok. Oh, je peux faire quelque chose de ouf là. Je peux faire un truc de ouf. Ok, vous êtes prêts? Bon, le plan a échoué. Et quand le plan échoue, on arrache tout. Ok. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Oh, le petit salto arrière. T'es prêt? Regardez. Vous êtes prêts? Allez. Ah, oh, j'ai plus d'armes. Frère. Oh non, j'ai cassé mon épée réellement. Ok, on va prendre ça. Oh putain. Je t'ai éclaté ma gueule. Ok. On est parti. On arrache tout. Attention quand même derrière, ça peut exploser. Ah bah ouais, mais putain les mecs! Ça chicote! Ok, on récupère tout ça. Oh, ils avaient un petit feu, rien de fou. Je suis pas sûr qu'il y avait un trésor par ici, pour être honnête avec vous. On peut partir. Elle est où la tour? Elle est là? Ah, ils surveillaient la tour. Et il y a encore des gens là-haut, non? Il y a plein de petites torches, regardez comme c'est étrange. On y va. On y va. Oh my god, le retour du Us. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps au final. Alors, oh là, les gars, il y a eu des dons partout, c'est incroyable. Nous avons Jordan, coucou B-Boy, tu connais Link et Terracide, bien évidemment, ils sont très sympas. Enfin, je le connais pas personnellement, je l'aurais jamais dit, je l'aurais jamais parlé, pardon. Mais oui, je connais. Mais vous allez le faire en fait à chaque live, parce que c'est chiant. Je les follow sur Twitter, ils me follow, donc je suppose qu'il y a une connaissance quelque part, tu vois ce que je veux dire. Et nous avons Hero, tu fais kiffer à faire ton live, je me faisais chier, je l'attendais la deuxième partie. Bon bah, hey, tu vois, la deuxième partie tombe à pic. Si ça lag, ne paniquez pas, ça ne lagera pas dans la rediffusion. Voilà, c'est possible, il y a des petits coups de lag, les gars, je fais avec ce que j'ai, comme je vous ai dit. C'est pas évident. Mettez-vous en basse qualité aussi. Hein. Ça lagera peut-être sûrement moins même. Ok, là, il y a quelque chose à faire, regardez. Yes. Et on prend ça, c'est quoi? Yes, impeccable, de l'ombre brute. Comment je peux monter tout là-haut? Faut que j'aille direct en haut.
Je suppose qu'on ne peut pas escalader. Il faut que j'aille direct en haut. Il faut que j'aille direct en haut. Sinon, t'as oublié un coffre dans la maison en bois détruite. Ah, bah tu sais quoi? Je vais pas y retourner. Ok. Non, mec, abuse pas. Oh, il m'a mis une patate, mec. Oh là, regarde mon corps de lâche. Non, ma vie est nulle. Laissez-moi tranquille. Oh non, c'est dur. Utilise tes bombes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je pense à utiliser aussi mes bombes. Mais là, avec la nouvelle manette... Par contre, attention, hein, il m'a mis un coup, gros. Je me suis réveillé, le trou de balle, t'as jamais vu ça de ta vie. Une superficie de trou noir. Je commence à tout aspirer. Ouais, un coup, je me suis fait arracher, les mecs. Un coup, on n'en parle plus. Allez, dégage. Parce que je vais... Oh putain, en plus, je t'ai jeté sur le feu. Tout ce que tu méritais, miskine. Ok. J'y vais avec mon gros marteau, je suis là en mode rien à foutre. Ah, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je voulais des bombes. Ok. Non. 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 Fais pas le con, putain. Je me suis fait enculer par mes propres bombes, monde de merde. Hop. Hop. Allez. Ok, on l'arrache, on en profite, on lâche pas. Oh, tu dégages, salope. Oh, il est mort instant. C'est quoi cette connerie? Mais c'est génial, je suis le meilleur. J'arrive à faire des situations totalement improbables dans ce jeu. C'est improbable. Oh, je m'aime. Tiens, on va la faire péter, je sais même pas où elle était d'ailleurs. Je m'aime. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ce qui fait que c'est un bon jeu quand ça part en couille comme ça. Allez hop, hey. Sacré vol en tout cas pour notre challenger. Et il est parti, les amis. Je mets 10. Et c'est un 10 pour lui. Ok, c'est bon, il n'y a plus personne. Arrête de nous saouler, toi là-haut là. Ok, on va l'arracher. On va l'arracher calmement. Ah oui, d'accord. Ça veut me tirer des flèches. Là, il sait plus où je suis. Là, il sait plus, il est con. T'es prêt? Vol plané. Bon, voilà. Vol plané cette fois. D'accord, donc il y a forcément des flèches. Qu'on va prendre avec régal, bien évidemment. Et on va pouvoir... Alors, on va éviter de refaire une MLG. Hein. On va éviter de refaire une MLG, les gars. On est reparti. Ah ouais. Vous êtes prêts? Attendez. Ok, on va prendre de l'élan. Nul. C'est bien nul. La tour des monts Géminés. D'accord. Et c'est la tour des monts Géminés ce soir pour le challenger. Je vais tomber. Hop, je préfère lâcher tout de suite. Voilà. On recharge et puis on repart, tout simplement. Il y a des paliers, c'est fait exprès. Oui, 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 frérot. T'inquiète pas, mon petit, mon copain, mon cousin. J'ai cramé. Ça va être juste très, très long et très, très chiant, sûrement, à monter. Attends, rassure-moi, là. Je peux aller à droite direct ou pas, là? Parce que vous me faites peur, les mecs. Ça va bien de mettre un mec qui joue du piano, mais enfin, les gars, si je peux pas monter calmement... Si, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ok. J'ai stressé, je me suis dit peut-être qu'ils y ont pas pensé, il y a forcément un autre moyen. On attend que ça se reload. Et on est parti. Voilà, j'ai essayé de gratter un mètre, bien évidemment, en sautant, ça n'a pas marché. Ton son, il bug. Ah bon? Je ne pense pas, tu es le seul à m'avoir dit ça. C'est que c'est peut-être toi qui bug. Rafraîchis, mon ami. Au lieu de paniquer, pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Tu sors quand l'épisode 8 de Skydev? Bah, je sors demain, en temps et en heure, hein, mec. Hein. On va pas commencer à gruger. Ok, on est parti, les gars. Et demain, épisode d'Horizon, en plus... Oh, putain, on fait plus ça, mec. Ok. Alors là, comment je vais... Oh, d'accord, j'ai compris. Aucun problème. Et ben voilà, nous voilà une nouvelle tour d'activée qui va nous mettre sur des nouvelles hauteurs, qui va nous permettre d'avoir non seulement la carte, mais en plus, peut-être localiser des temples et les marquer. C'est plutôt cool, les gars. On va les faire, évidemment. On va les faire. On va peut-être pas faire le jeu à 100%, mais en tout cas, on va faire une bonne partie. Et je me suis retenu, hein. Je me suis retenu de pas jouer dans mon lit, les mecs. No bug. Bah merci, les potes. Ça fait plaisir. Je suis en train de vous remercier qu'il n'y ait pas de bug. C'est quand même dingue. Quand même incroyable. Allez, on est parti. On est parti. Vas-y, monte, frérot. C'est bien, c'est qu'en fait, ils veulent te faire passer le coup de l'escalade en épopée. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas... Ah, bah voilà, comment aller plus vite. Impeccable. Allez, examinons ça. C'est parti. On met notre tablette. On active tout ça. Et Google Maps offre à nous. Tiens, je vais boire une petite gorgée le temps que ça s'active, ces conneries là.
Ok. Ça nous a créé un nouveau point de téléportation. Par contre, je pensais que la tour allait s'élever, mais pas du tout. Acquisition des données locales. Ah, ça fait comme l'ouverture d'un coffre. Ok, regardez. Une nouvelle partie de carte, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, la carte de la zone a été enregistrée. Une nouvelle fonction est également disponible. Tiens donc, laquelle? Détecteur Sheikah. Localiser les sanctuaires initiatiques. Vous pouvez désormais utiliser le détecteur Sheikah. D'accord. Lorsque vous remarquez la réaction, que la réaction s'intensifie, poursuivez cette direction pour arriver au sanctuaire. Très bien. Appuyez sur Y depuis la carte de la tablette. Ok, pour l'activer ou désactiver. Ok, donc je suppose que là c'est activé vu l'ampleur du signal. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Le détecteur Sheikah est opérationnel. Pas de soucis, force pas trop par contre. L'icône du détecteur est affichée à côté de la minimap. Lorsque vous avancez en direction d'un sanctuaire, l'icône clignote et le détecteur émet un signal sonore. Et il y a un sanctuaire à proximité. Ou fichtrement aucune idée. Ok, bougez pas. Ça va, t'énerve pas. Oh, ça va me saouler, ça. Ah, il peut être partout. Il peut être en haut, en bas, à gauche, à droite, ces soirées-là, quoi. Il peut être littéralement partout. Donc, on va continuer notre petite quête et puis on en croisera, c'est pas le problème. Vous savez quoi, Attendez. Ok, j'en ai un, là. On va le marquer. Balisé. Ah, très bien. Toujours un plaisir de se gourer de touches. Ok, lui c'est balisé, ça c'est le chaton, on va éviter. Il est possédé le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être le village Cocorico. Là-bas on a une tour. Hop, on va la marquer. Là on l'a déjà fait. On explore les horizons. Ok, pas mal. Ah, il y a peut-être... Ok, j'ai peut-être ma petite idée. J'ai peut-être ma petite idée. Oh, la pire idée ever. Oh, la pire idée ever. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe, easy, les gars. Hop, 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 je crois avoir vu... Ok, je crois avoir vu quelque chose. Eux, ils sont pas très intéressants. On se casse. Là, on a quelque chose aussi. Ouais, je me suis refait en flèche. C'est des flèches explosives que j'aimerais bien. Il y a peut-être quelque chose là-haut, non? Croyez pas? On ira plus tard, on a toutes les occasions pour y aller. Oh, c'est quoi? Ouais, c'est une chèvre. On va la laisser tranquille cette fois-ci. Qu'elle prévienne ses potes que je l'arracherai le jour où il faut. Je déteste les Zelda, mais celui-là a l'air sympa. Ah bah comme quoi, tu vois, on peut changer d'avis très facilement. Et tant mieux d'ailleurs. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, entre guillemets. Après, tu peux aussi ne pas changer d'avis parce que ça reste Zelda. Hein. Tu peux ne pas aimer tout simplement. Ouais. Comment me mettre dans la merde Party Dance volume 5? Eh ben, on va passer par là. Je sais pas si je vais y arriver, j'y crois pas trop. Ok, bougez pas, bougez pas. C'est mort. Ok. C'est mort. Par contre, là-haut, il y a un pont. Donc, c'est plutôt intéressant. On va le faire. Non! Oh, je suis un dieu! J'ai encore survécu! Putain, mais c'est terrible! Oh, je devrais l'appeler le let's play du dieu. Tellement ça passe facilement. Regardez les effets, voilà, de nuages qui passent au-dessus. Ça, c'est énorme. Ok. Allez, ça dégage. Et là, tu me racontes ta vie. Coup critique. Oh putain, gros, ce que t'as pris, toi. Allez, hop, ça dégage. Ok. Ah oui, d'accord, ça jette des cailloux, maintenant. Ah, ça veut la jouer cailloux. Oh, calme-toi. Pose ça. Allez. Ah, oh, c'est tellement mieux, vous avez vu, avec une manette de... De professionnel, hein, n'ayons pas peur des termes. Hein. Ok. Wow, calme-toi, cousin. Hop. Oh là 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 là. Oh, quoi, toi?
Il a shooté dedans. Allez, venez. Bande de petites putes. Oh, on est pas bien là. Ok, on n'est pas bien du tout. On va reculer. Attends, regardez. Ah! Allez, venez! Allez, ça dégage. C'est chaud, hein! C'est chaud, ma petite gueule! Allez! Oh, c'est chaud! Oh, c'est terrible! Allez, ça dégage! Oh putain, il se laisse pas faire, les petits. Attends, lui, par contre, toi, t'es chiant. Allez, ferme-la. T'es là, tu me racontes ta vie, tu commences à faire l'hélicobite. Allez, un petit coup de marteau, on n'en parle plus. Bon, bonne chose de faite. C'était pas évident, hein. Vous avez vu, hein. Heureusement que je suis un professionnel, les gars. Heureusement que je suis un professionnel. Allez, ça dégage. Hop, on va prendre tout ça. Attends. Toi, t'es très gênant, par contre. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir s'occuper de lui. Je sais pas trop. Allez, le marteau, je pense pas qu'il ait une durée de vie. On va prendre la hache peut-être. Ah, attendez. On va faire la célèbre technique. Bah alors? On vole? Hop, petite esquive sans faire exprès. Oh les gars, si on peut, on peut être dans le spectacle. On l'est, hein, y a pas de souci. Hein. Ok, on va récupérer. Alors il a volé où notre ami là? Oh putain, ça je le veux. Viens là. Ah, saloperie. Il a volé où notre ami là? Parce qu'il nous a forcément donné des flèches. Je crois qu'il a volé par là. Impeccable. On récupère nos flèches. Là, il y a quoi là? Allez, mano à mano, one à one. Oh! Quoi? Oh non, je dois tout refaire, jure! Oh non! Pourquoi t'as pas lu les deux derniers dons? Mais je les ai pas vus, tout simplement. Bouge pas. T'énerve pas. Ben non. Ah, allez, sur le super chat. Ah, bah, je les ai pas vus. Je les ai pas vus, les gars. Je suis désolé. Parce qu'il n'y a pas de signal sonore. Bah, je vais regarder un petit peu plus le chat. Je suis vraiment désolé pour les deux derniers dons. Vous savez quoi? Je les lirai au prochain live demain. Voilà, demain, je les lirai, promis. Parce que là, j'ai pas vu. Bon, ils étaient chiants. Hein, donc, on va se casser, littéralement. En plus, pourquoi il y a une croix sur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, la croix? C'est très bizarre. Putain, c'était le dernier, je m'en étais trop bien sorti. Par contre, il one-shot. Il enlève 3 cœurs. Il enlève littéralement 3 cœurs. Et c'est très chiant. Ok, c'est des arbres. Bon, on va faire le tour. On va faire le tour parce qu'ils m'ont saoulé, littéralement. J'ai pas envie de le refaire. Et puis, j'ai même pas de flèche de... Ouais, j'ai même pas de flèche de feu. Laissez tomber. Laissez tomber, on va faire le tour. Allez, on se casse. Normalement... Ils me poursuivront jamais jusqu'ici. Pas de soucis. Bon, c'est bien dommage. C'était le dernier quand même. Hein. C'est chiant, la mort stupide. Bah ouais, mais... Honnêtement, je pensais pas que ça allait one-shot aussi facilement. Allez. Meurs, mon ami. Que vas-tu me donner? La viande de volaille. Je prends volontiers. On va pouvoir se faire des petits repas. Oh là, le piano. Qu'est-ce qui t'arrive, le pianiste, là? Ah, je t'ai vu, frérot. Oh oui. Oh, c'est quoi, ça? Wesh, lâche le cheval, t'es sérieux ou quoi? Mon cheval, viens! Je peux le prendre? Yes! Incroyable! Ok, les gars! Ok, allez, go! Tabasse un peu, là. Pas ton temps, moi. Sinon, tu vas finir en fin d'us, mon pote. Tu vas finir en lasagne, je te le dis. Ok. Ok. Bon, on va pas commencer des combats épiques comme ça à froid, là, parce que ils sont nombreux, quand même, hein, cheval. C'est gênant, hein. Ah, c'est tellement bien. C'est fluide en plus, impeccable. Ah, il y a un sanctuaire pas loin. Mon bat signal me l'indique. Ah, il est là-bas. Ok, bon, on y va. Vous savez quoi, on y va, on va le faire calmement. J'y vais, je vais le faire, là, je vais le faire. Paniquez pas. Nous sommes sur le pont d'Equilis. D'Equilus. D'Aqualus. C'est terrible. D'Aqualus. Voilà, on va y arriver. Allez, on est parti. Alors, est-ce qu'il y a Fada là dans le chat? Hésite pas, Fada, hein, vas-y. Hein. Écoute un peu ton cœur, frérot. Hein. On va passer par là. Bon, on y va. Hein. Est-ce que mon cheval il peut descendre? Vas-y, frérot. Vas-y, ouais, je crois en toi. T'arrêtes pas comme ça. Vas-y, frérot, lâche pas.
Allez, c'est pas ça qui va te faire peur. Allez, t'as affronté bien pire. Allez, dépêche-toi. Ah ouais, tu veux pas m'écouter? Tu veux pas obéir à ton maître? Eh ben voilà, je me casse. Allez, ça m'a saoulé. Ok, hop. Petite accélération. J'y vais, calmez-vous, calmez-vous. Doucement. Bienvenue au banc fleuri. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, qu'est-ce que tu fais là? N'abîme pas mes fleurs. Bon, ça va, oh. Je vais pas m'engueuler maintenant. Je suis quand même le héros qui vient tous les siècles. J'ai planté des fleurs tout autour du sanctuaire. Fais attention à ne pas les piétiner. D'accord, pardon. Sanctuaire, pas les fleurs. J'ai planté des fleurs tout autour. Ah oui, tu me l'as déjà dit par contre. Ok, d'accord. Donc tu fais des petits labyrinthes, ça fait plaisir. J'y vais, stop, stop, stop. Oh là, comment... Oh, la lourde. Oh, qu'elle est lourde. D'accord, donc tu plantes des fleurs de façon à ce que ça soit bien chiant pour un héros qui vient vous sauver de pouvoir faire son boulot correctement. Alors, on est parti. Sanctuaire d'Hiro Ira. C'est parti. Bon, on va passer comme d'habitude. Ça dit toujours la même chose. De quoi? Elle avait un gros sourcil? J'ai pas fait gaffe. Ah, elle a des sourcils. Une courbe hyperbolique. Putain, j'ai pas fait gaffe. On ira voir ses sourcils en sortant. Rappelez-moi d'aller voir ses sourcils, les gars. Après, d'après les rumeurs, c'est un boomerang. C'est, tu lui décolles un sourcil, gros. Tu peux faire toute l'aventure avec. Tu peux tuer Ganon avec. On ira voir. Rappelez-moi, les gars. Rappelez-moi, on ira voir. Y a pas de soucis. Pas ni problème. Pas ni problème, comme on disait sur les îles Martinique, tout ça. Toi-même, tu sais, Moret. Allez, on est parti, les mecs. On continue. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire, Hiro te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Bah vas-y, j'y vais frérot. Moi les épreuves, j'adore ça. Suivre les flots. D'accord. Attendez, est-ce que par hasard derrière, il n'y aurait pas quelque chose? Non. Allez, après c'est direction le village Cocorico, hein, bien évidemment. Hein. Ah, non, ça c'est chiant. Hop. Oh, ça casse. Qui l'eût cru? Ok, on va utiliser... On va geler le temps. On va geler le temps. Figer le temps. Par contre, bon, pff, ça sert à rien en fait, j'ai juste à courir. Mais non, jure, j'ai cassé. Oh, je l'ai cassé, putain. Ça reviendra plus. C'est pas grave, j'ai d'autres solutions, les amis. Ne vous en faites pas. Ok, aucun problème. Mais attends, mais je peux y aller? Non, j'ai peur, mais est-ce que je peux me noyer dessus réellement? Oh putain, vas-y, fais pas le con. Ok, impeccable. Bon. Regardez ce qu'on va faire. J'ai peut-être ma petite idée. Regardez, hein. Voilà, comme ça on bloque. Et là on va pouvoir bloquer les autres planches. C'est propre, hein. Bonne idée, hein. On va pas si bonne que ça apparemment, parce que les planches, je pensais pas qu'elles allaient se faufiler en dessous. Si, elles reviennent. Ah, elles reviennent. Elles reviennent quand même. C'est pas grave, on a pas le temps pour ces conneries. Oh, y'a un coffre en dessous. Incroyable, mais vrai. Ok, bougez pas. On va l'aimanter. Ok, c'est bon. Allez, lève-toi. Ok, vas-y, viens. Ah. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, lève-toi. Putain! Ok. Oh putain! Bien joué, il y a une notion de poids aussi, je savais pas! Allez, opale brut! C'est pas mal, je prends, ça a l'air rare. Quoi? Pardon? Quel est ce subterfuge? Ok, on va repasser sur ça, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des tonneaux explosifs, d'accord. Ok. Ok. Et voilà, je suis le meilleur. Ah ouais, les gars, on fait le boulot, hein, c'est tout, hein, il n'y a pas de... On va pas commencer à tergiverser, hein. Ok. Par contre, c'est très très chiant, en fait. Ah, hop, ça aussi, c'est très très chiant. Quoi? Sérieux? Ça va, les gars, les explosions de bombes, les mecs.
Ok. On va y aller calmement. Ah, il y a encore quelque chose là-haut? Ah non. Fais-en pas trop, Link, à sortir ton paravent à chaque fois, là. T'es chiant quand tu fais ça. Je suppose qu'il y a quelque chose d'autre là-haut, non? Peut-être. Ah, mais attendez, il y a un coffre que j'ai pas réussi à ramasser. Comment on peut faire? D'après vous, est-ce que quelqu'un a la solution? C'est pas grave. On s'en fout. On reviendra le chercher. Je suis vexé. Allez, fin du... temple, donjon, je sais pas comment l'appeler vraiment. Je pense temple, hein. Donjon, c'est pas beaucoup plus grand. C'est Zelda, ça? Et ben, oui. Glace au-dessus du coffre. Oh, les gars, bien joué. Non, je ne veux pas partir. Laisse-moi. Laisse-moi, jeune momie. Je veux rester ici. Je veux rester ici. Ah, putain, terrible. Ben oui. Ah, comme quoi, les trucs les plus cons. La célèbre. Ben oui, le glace sous le coffre. Ah, oh, les gars, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Vous savez quoi? Vous me donnez envie de manger un petit tic-tac. Un Kit-Kat. Voilà. C'est quoi un tic-tac? Oui, non, c'est de la merde. Ok. J'ai 4 barres, les gars. D'accord? Faut que je déguste. Faut que je déguste. C'est vrai que ça va pas partir en vidéo dégustation, mais enfin, les gars, faut que je déguste quand même. 4 barres pour 2h30 de live, ça va être tendu. Oui, j'ai vu le coffre sous l'eau, les gars. Paniquez pas. Ok. Oh, ça va, ses sourcils, les gars. C'est un buisson. Elle a des sourcils fleuris. N'abîme pas mes fleurs, tu leur fais du mal, je les entends pleurer. Par contre, elle est lourde. Hein. D'accord, elle me remet à l'extérieur. Genre, elle vient me chercher pour me soulever, tu sais. Ok, les gars. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bateau. J'espère que vous êtes chaud. On va tester pour la toute première fois cette fonction. On va prendre ça. Partons à l'aventure, les amis! Bon, c'est pas ouf, là, comme aventure. Faut partir! Allez! Allez, voilà! Bon, on est sur l'eau. Maintenant, on doit aller où? Eh ben, on doit aller totalement derrière. Incroyable. C'est comme ça qu'on va vraiment derrière? Là, je suis à contre-courant, là. Hein. Je suis à contre-courant, c'est pas ouf, hein. Ouais, ça va. C'est mieux qu'à pied. Hop, allez, ça m'a saoulé. On se casse. On se casse, les mecs. Je pouvais le faire à pied, de toute façon. Donc, on retourne à notre objectif qui n'est toujours pas là-haut. Mais c'est terrible, les gars. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Notre objectif, il est là-haut. Bon, bah, on va y retourner, finalement. On va y retourner. Allez, partons à l'aventure. Avec ma superbe feuille. C'est une feuille de quoi, ça, d'ailleurs? Attendez, bougez pas. Mon éventail Korogu. Direction le village Kokoriko. Je suppose qu'il faut passer là-haut. Ah, faut que je retrouve un cheval, ce serait pas mal. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, mon petit pote. Voilà, c'est pas mal, ça. Allez. Oh, bah là, on est à fond, hein, les gars. Hein. Ah, bah, c'est une aventure épique, hein. Une aventure avec un grand A, comme dit jeuxvideo.com, n'est-ce pas? Si ça, ça vaut pas 20 sur 20... Oh là, qu'est-ce que c'est? Je prends. Pas mal. Oh! Oh! On va essayer de l'arracher. On va essayer de l'arracher. Oh! Putain, tu m'as fait peur. Casse-toi. Ok, il donne quoi? Ok, Carparmo. Cuisiner. D'accord, il avait un poisson dans la bouche. Une perche d'Hyrule. Wow, wow, calmez-vous les potes. Doucement, doucement. Ok, on se casse. Les gars, là vous êtes chiants. Voilà. Votre marteau en fer va bientôt se briser, c'est bien dommage. Donc c'est parti les mecs, on va traverser le pont. J'arriverai jamais à ce village, hein. À chaque fois il y a des trucs à faire, c'est terrible. En plus j'étais passé par ici, impeccable. Attendez, bougez pas. Non, ça sert à rien de passer par ici, c'est totalement con. Il faut que j'aille par ce chemin-là. Putain, mais ouais les mecs. Oh, vous êtes lourds. Ah ouais, mais là c'est l'aventure avec un trop grand as, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est bon, heureusement qu'il y a un cheval. Ok, je vais essayer de l'arracher, bougez pas. Allez, casse-toi. Reviens! Reviens! C'est bon. Allez, on se casse les mecs. Accélérez, je crois que le cheval... On va pouvoir faire en sorte qu'il nous appartienne.
Oh putain, faut que je retraverse. Oh, c'est terrible. On va pouvoir faire en sorte qu'il nous appartienne, mais faut aller déposer son bon, son nom comme si c'était un gosse, là, le bordel, là. On verra ça, à mon avis, au village Cocorico. Ah, très bien, il est épuisé. Waouh, super. Bravo, le cheval. Allez. J'ai pas le temps pour tes conneries, moi, mon pote, tu cavales. Y'a pas un petit coffre? Un petit quelque chose, ici? Attendez, stop, 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 stop. Hop. Souvent des trucs là-dedans, non? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Link, il commence à vouloir grimper partout. Il en fait encore qu'à sa tête, c'est terrible. Oh! Bien joué, gros! Oh! Ça, c'est moins bien joué. Fais pas le con. On vient vers moi. C'est bon. Bon! Par où on va, maintenant? C'était par là, hein. C'était par là, par contre. Hé! Hey, y'a pas de pont. Ça va être chiant. On va devoir... Et vous croyez que le cheval il peut, les gars? Vous croyez que le cheval il peut? Salut B-Boy, ça va et vous, les gars? Ça fait combien de temps? Oh, on a commencé à 19h20, un truc comme ça, ça fait même pas une heure. D'accord, et comme par hasard, on a quoi? Putain de village. Oh, j'ai peur. J'ai peur de pas arriver à... Oh, putain. Ok. Ok. Vous êtes prêts? Ça va partir très très vite à coup de marteau là-dedans. Et merde! Échoué! Le plan a échoué! Hop, ça je prends par contre, frérot. Ok. Oh, 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 on va devoir faire gaffe. Ok. Oh putain! Oh là 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 là, on va manger très vite. Voilà. Arrête! Meurs! Va en enfer! Oh putain, mais lui, c'est qui le dernier là? Tiens, tu veux faire une flèche de flèche dans ta gueule? Ok, GG ça, les gars. Bien joué! Bien joué! Ok. Bon, ça. Ça, c'est fait. Hop, on prend tout ce qui est cône de mes couilles, là. Ça, on prend aussi. Voilà, on se régale. Là, normalement, il a lâché des flèches. Ah, il a pas lâché de flèches. Oh, l'enflure, l'enflure. D'accord. Ça, on peut le jeter directement ou pas, non? Bon, on va l'utiliser, on va le finir. Bon, on est de l'autre côté de la rive. Ah, le coffre. Ce serait dommage, quand même. Maintenant qu'on est de l'autre côté de la rive, on va pouvoir aller à ce putain de village. Oh, il est stylé, Swag. Attendez, parce qu'en plus... Oh, il est grave classe. Je prends volontiers. Les boucliers, ça s'use pas facilement, en plus. You le hebo. Hop, ça, je prends. Là, il y a de quoi faire une petite recette, là, les gars. On part en mode Philippe Etchebest ou pas? Ça serait intéressant, ce serait sympa, non? Qu'est-ce que c'est? C'est un humain. C'est un humain, je ne sais pas qui c'est encore. Il dort. On va le réveiller. Réveille-toi là, oh! Hi. Tiens, voyageur, salutations, l'ami. Viens donc t'asseoir auprès du feu. Moi, c'est Jirocho. Marchand itinérant, très bien. On vit vraiment une drôle d'époque. Si je veux vendre des marchandises, je dois les trouver moi-même dans les bois. Ou alors, plus simple, je peux les racheter à des voyageurs. D'ailleurs, puisque je te tiens, tu n'aurais pas des choses à me vendre? Bah pourquoi pas? Je dois bien avoir ça. Voyons ce que tu as à proposer. Moi, j'ai pas mal de trucs à proposer en soi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui vendre des petits trucs. 3 rubis, ouais. On peut lui vendre des trucs que j'ai beaucoup trop, non? Tiens, on va lui en vendre 5 par exemple. 6, allez, voilà. Ça te convient? Vas-y, frérot. De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas réellement marchander. Je peux lui vendre des fringues. J'ai toujours les mêmes fringues de base, un peu chiant d'ailleurs. Ok, il y a des trucs qui valent 10 rubis. Tiens, on va voir c'est quoi qui vaut le plus cher. Ah, c'est ça pour l'instant. Une vis antique, très bien. Je sais pas du tout à quoi ça va servir. Oh putain, non, c'est ça. Ah, quand même, opale brute, 60 rubis. Ah ouais, ça va permettre des trucs sympas, ça, non? À mon avis, ça a même été carrément fait pour la revente. Je peux lui vendre mes plats dégueulasses? Non, dommage. Ok, à mon tour maintenant. Tu veux m'acheter quelque chose? Allez, vas-y, laisse-moi voir, frérot. Truffe max, qu'est-ce que c'est? Champignons d'une grande valeur, très bien.
Et on a des flèches, putain, le prix des flèches, quoi. Et l'inflation du commerce en ce moment. Ah, c'est pas un commerce équitable, les gars. Hein. C'est pas un commerce équitable. Ça profite pas à tous, là. Hein. Merci de m'avoir consacré du temps. Il y a des monstres partout maintenant sur les routes. Tu ferais bien d'être prudent, toi aussi. Et donne pas d'or, par contre. Parce que je t'arrache, mon pote. Bon. Il est temps de jeter toutes les armes qui sont usées, n'est-ce pas? Donc ça, par exemple, qu'est-ce qu'on peut jeter d'autre? Bah rien d'autre, le reste, c'est quand même assez utile. On va prendre la torche. Hop. Et on va allumer ici. Bon! Est-ce que par hasard, on va pas se faire cuire un petit truc, les potes? Ce serait sympa. Ça serait sympa. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, on m'a dit de travailler, on m'a dit Mr. B-Boy. Eh, sois logique un peu. Travaille en fonction de ce qui peut être cuisiné ou non. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça. Avec ça. Donc un lézard avec un peu de piment, parce que c'est vrai que le lézard c'est un peu trop salé. Et une pomme pour le côté un peu fondant croquant, un peu sucré-salé comme on l'appelle dans le milieu. Et une pomme, on essaye ou pas? Franchement on va essayer. Et si ça donne rien, moi je comprends hein, les gars, j'ai regardé toutes les saisons de Top Chef. Ça fait forcément quelque chose de délicieux. Oh là là, mais mec, arrête. Si t'aimes pas la bonne cuisine, n'en dégoûte pas les autres. Bon, on va retenter un truc. Faites le cuire avec des matériaux de monstres. Ça, c'est des matériaux de monstres. Avec un insecte ou un lézard, faut en faire un remède. Et ben voilà, allez, on va se faire un petit remède comme ça. On va se faire un petit remède comme ça. Allez, on cuisine. Ah les gars, vous voyez, j'ai essayé de laisser parler mon imaginaire. Ah, ça n'a pas fonctionné. Allez, remède tempo. Qu'est-ce que c'est? Ce remède de tempo augmente la vitesse de déplacement. Il suffit de le boire pour courir, grimper et nager plus vite pendant 2 minutes. C'est pas mal ça. Le jour où on sera grave en galère pour grimper quelque chose, eh ben on sait que j'ai mon petit remède. Ok, ben on peut y aller. On peut y aller. Je cuisinerai plus tard, hein, les gars. J'ai pas le temps pour ces conneries, mais ça va. Ça va la comédie. Ok, on va suivre le chemin. On va pas trop s'égarer. Eux, c'est vraiment les squelettes chiants. Par contre, attends. Il a pas un arc, ce petit... Il a pas un arc? Mais si, il avait bien un arc. Ok. Je vais pas perdre mon temps. Je vais pas gâcher mon épée pour ça. Ok, tiens, on va lire le panneau, les gars. Voilà, qu'est-ce qu'elle a, la chèvre? Ok, on va lire le panneau. Examiner. Relais des géminés. Géminés, je ne sais pas. Tiens, regardez. Pas mal, ça, non? On va le marquer. On va le marquer. Ok, qu'est-ce qu'on a, là? C'est ça, le relais? Sanctuaire à proximité. Ah bon? Ah, il doit être en haut. Calme-toi, par contre. Ok, de quoi cuisiner. Peut-être un petit coffre. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a donc? Un silex. Frappé contre une arme en métal. Ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot. Indispensable, bien qu'il soit d'usage unique. Contre une arme en métal. Bougez pas, c'est-à-dire que je peux l'utiliser... Pour allumer... ouais, non, là, j'ai voulu me la péter. Ouais, je voulais vous montrer que j'avais sifflé, c'est vrai. Ok, bon, il doit être en haut, le sanctuaire. Hein, on ira plus tard, ça va la comédie, mec. J'aimerais bien ne serait-ce qu'arriver au village. Ce serait pas mal. En vie, si possible. Et le radar qui force pas trop, en plus, un vrai plaisir. Attends. Ok, j'ai cru qu'il allait encore me tirer dessus. Oh, c'est chiant à pied, les mecs. Il me faut un cheval, moi, les gars. Je suis pas fait pour ces grandes aventures avec un grand A, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Georges, ça va Georges? Salut B-Boy, j'ai 20 ans et je te suis depuis l'époque l'astuce du jour. Ça fait longtemps, hein. Qui fait 5 ans, effectivement. Et ça fait toujours du bien de regarder encore tes vidéos à ce jour. Merci mon copain, mon cousin, tu te rends compte? Tu te rends compte, je t'ai connu, t'avais 15 ans. Tu te pissais encore dessus, tu vois? Tu te chiais dessus même d'ailleurs. Et maintenant t'as 20 ans, c'est incroyable. J'espère que t'es marié, que t'as des gosses, une maison, 4 voitures. Que t'habites aux États-Unis d'Amérique. Ok, on a une nouvelle tour là-haut, elle va être intéressante, je pense qu'on la fera. On a un rocher là-haut qui donne des trucs, ok, on a un feu. Ah, ça, je vois pas l'intérêt pour le moment de traverser. Eh, non, je vois pas l'intérêt parce que je crois qu'il y a un pont en face de nous. Attends, le radar, il force tellement, c'est hallucinant, quoi. Ouais, je suis sûr, quasi sûr que c'est en haut. Quasi sûr, mais on aura l'occasion d'y retourner, vous en faites pas les gars, on pourra se téléporter, on pourra faire ce que vous voulez. Mais là, faut avancer un peu.
au moins aller jusqu'au village. Qu'est-ce que c'est que cette haute tour incroyable? Est-ce que par hasard on va pas l'utiliser pour faire du... Oh, il y a une... Il y a une belle maison là. On va rentrer. Il y a l'air d'y avoir du monde. On va y aller avec grand plaisir, avec grande délectation. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Pont de l'aîné. On y va de ce pas. Tiens, il y a quelqu'un d'ailleurs qui vient à notre rencontre. Qui es-tu, mon ami? Ah, ça force trop là. Oh, le radar, il... Ah, bah il est là le temple. C'est bon, on va y aller. Ok. Qu'est-ce que tu veux? T'en as marre de marcher? Le relais des Géminés est juste à côté. Si t'as besoin de reprendre des forces, prépare-toi. Donc un petit steak. Il doit bien y avoir quelqu'un dans le coin qui pourrait te vendre de la bidoche. Tiens, moi par exemple, je ne vends que de la viande de premier choix satisfait ou remboursé. Je veux acheter, vas-y frérot. Ah non, bah, allez, tu m'as saoulé, casse-toi. Je me suis gouré de touche, ça va. Ah mais la touche pour courir, c'est la touche pour annuler, les gars, y a aucune logique. Comment je... Attends, je suis censé... Ah ouais, d'accord, je suis censé atterrir dessus, à mon avis, en paravoile. Ah ! On est reparti, on va la tenter. On va la tenter. C'est un défi pour Mr. B-Boy, ça ! Ne pas se prendre les pics, là où je pense, parce que ça fait mal. Donc on y va, on va le tenter, les gars. Nous, on est des grands tenteurs. Ah, putain ! Vous l'avez vu, ce petit salaud ? Hop. Allez, c'est noté. On ira. Déjà le relais, le village. Déjà, attends, le temple, le relais, le village, ça fait beaucoup de choses. Ah, ça fait pas mal de choses, forcément. On est parti, les mecs. Attendez, on peut pas aller plus haut si, voilà. Putain, mais même pour monter une échelle, c'est... Ah non, c'est bon. Allez! Nous voici tout là-haut. Oh, qu'est-ce que c'est? Une épée rouillée. Cette épée, rongée par la rouille, probablement appartenue à un très ancien bretteur de grand renom. Elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. D'accord. Allez, c'est un défi pour moi. Ha! On va atterrir 4 km. Ah ouais, non mais les gars, vous êtes foutus de ma gueule là. Arrête, arrête. Oh là là, le radar, il est chiant. Qu'il est chiant. Comment le voilà, détecteur, parce que là c'est pas possible, je vais tout brûler. Ça va gros, hein. Abuse pas. Ok. Et nous avons Pabloz. Hello, je te suis depuis les astuces code. Toi aussi? J'avais 13 ans, aujourd'hui 18, et bah ben comme quoi. Je voulais juste savoir pourquoi tu avais supprimé tes vidéos fax en cas. Ils ont été supprimés parce que quand, il y a 2 ans, il y a eu une grosse mise à jour YouTube sur les droits d'auteur, bah ben, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser parce qu'il y avait une musique, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit et j'étais pas l'auteur, donc je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Donc on est reparti. Voilà, tu as ta réponse. Et puis j'avais pas envie de la reposter en retirant la musique. J'avais plus le montage, hein. Ça s'est fait tellement des années après. Ok, pour l'instant, ah mais si, attendez. Ah, je suis un génie ou pas? Bah ouais, mon pote. Eh, qui avait pensé à ça? Personne, hein. Ou peut-être tout le monde, mais pas moi. Alors, incroyable ou pas, les gars? Sanctuaire de Ayudama. À tes souhaits. Hop. Incroyable. Je suis une putain de machine, les mecs. Qui avait pensé? Mais arrêtez de dire tout le monde. Oh là là, ah, ça m'énerve. Oh, vous avez une testasse, les gars. Quand vous regardez un live, appréciez au lieu d'avoir une tête comme ça, là. Sérieux, les mecs. Baby Boy, il fait une colonne de glace. Mais c'est déjà fait, jeune homme. Bah moi j'y avais pensé direct, la glace, oh là là, non, non, mais ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas cette testasse que vous avez. Vous n'êtes pas joueur. Vous ne savez pas apprécier, les gars. Ah oui, bah vous écoutez, tout le monde a deviné, mais personne n'en a parlé. C'est ça, les gars. En fait, tout le monde te l'a spammé. Ouais, bah ouais, mais je regarde pas le chat, écoutez. Je suis pas sympa avec vous. Je suis pas sympa. Tu sais quoi, je vais manger une barre de Tic Tac. À chaque temple, une barre de Kit Kat. On va partir là-dessus. Ça me paraît être un bon raisonnement. Bon, faut qu'on y arrive par contre. Suivre la voie de l'eau. Ok, la voie de l'eau. Bon, bah, je suppose que ça va être avec l'eau. Voilà, vous l'aurez compris. Ok, oh, oh ouais. La voie de l'eau, gros. Oh. Ah! C'est maintenant qu'on en parle. Ok. Incroyable. Incroyable, mais vrai, il crée des escaliers. Les scientifiques le détestent déjà. Ok. Il y a une grosse boule à mettre dans le trou. Vous l'aurez compris. Là, va falloir poser ces boules. Ok, d'accord. Laissez-moi comprendre un petit peu le mécanisme. On va devoir faire des trucs à distance. Ouais.
Ok, j'ai compris. Voilà. Je suis une machine. Je suis une machine et j'ai trop ouvert ma gueule parce que ça a pas marché. Ah putain, faut qu'elle soit un tout petit peu plus levée. Attendez, j'ai mon idée. Je peux ou pas? Je ne peux pas. C'était la musique de Can't Hold Us, non? Si je me souviens, t'avais dit avoir rencontré Miss Big Girl. Oui, voilà, bah, c'était à peu près ça, je crois, si j'ai bien lu. Dans un car, c'est un bus. Non, c'est un car en plus, je crois. Bien joué à toi. Ok, comment on va faire? Attendez, bougez pas. J'ai peut-être mon idée. Ok, j'ai peut-être mon idée incroyable. Bougez pas. Regardez. Ok. Ok. On va le rehausser un tout petit peu. Bougez pas. Ça peut faire bander. Voilà. Et maintenant. Maintenant que c'est bloqué. Non! Ah putain, c'est terrible. J'ai figé la boule. C'était pas la bonne chose à faire. Allez. Hop. Moi, je suppose qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, mais la mienne est la meilleure, forcément. Parce que c'est ma façon. Ah là, je peux rien faire encore. Allez, dépêchez-vous. Ok, c'est bon. Je peux verrouiller, on attend la boule. Normalement, là, c'est du tout bon. Et voilà, je suis incroyable. Je suis littéralement incroyable. Je m'aime, je m'envoie des fleurs. Envoyez-moi les fleurs, s'il vous plaît. BG, bah c'est cool. Au niveau de la deuxième cascade du donjon. Il y a un coffre avec un putain d'item au niveau de la deuxième cascade du donjon. Ah. Ah ouais, bien joué à toi. Incroyable. Toujours écouter, bien évidemment, ces viewers, parce que les viewers sont toujours une source littéralement incroyable d'inspiration, bien évidemment. J'en fais un peu trop, peut-être, non? Ok. Alors, il y a intérêt que ça soit bien. Sinon, je t'arrache, mon pote. Hein. Rubis violet. Ouais, c'est pas un item incroyable. 50 rubis. Bon, ça va. Non! Ah, fils de pute! Et voilà. Et voilà comment ça a fini, ta connerie. Ah, c'est pas vrai. Un demi-cœur, sérieux, quoi. Ok, allez, on se casse. Putain, mec. Mec, t'as vu ce que tu m'as fait faire? Pour ton putain de rubis? J'en ai marre. Je meurs toujours n'importe comment, c'est terrible. Allez, c'est parti. Oula. En triomphant de l'épreuve, n'est-ce pas? Ok, bon, allez, file-moi mon truc, là, casse-toi. Merci. Emblème du triomphe, c'est incroyable. Vous êtes géniaux. Est-ce que vous avez des pubs sur le live? N'hésitez pas à me dire, les gars, faut penser pognon un peu. Dites-moi si vous avez des petites pubs. Ça régale, toujours, forcément. Allez, la momie, casse-toi. Remets-moi à l'extérieur, s'il te plaît. Mange, tu vas crever. Oui, je vais manger, les gars. Pas de panique. Pas de panique à bord. Ah, bah, vous savez que... Eh, les gars, je meurs tellement connement à chaque fois. Ah, très bien, les pics sont partis. Les pics sont partis, hein, comme par hasard. Qu'est-ce qu'on va manger? Ouais, j'ai le temps, vous savez quoi, je vais me cuire des petits trucs. Ouais, je vais me faire plaisir un peu, je vais me cuire des petits trucs. Non. Ah d'accord, un vrai plaisir. Perso, non, je suis sur mobile. Ah d'accord. Toujours sympa, toujours agréable, n'est-ce pas? Ok, bon les gars, hey, s'il y a pas, il y a pas, hein, on va pas tergiverser. Hein. Attendez, peut-être, grâce à une technique ancestrale. Et là, vous en avez ou pas? Comment ça, je diffuse pas en direct? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, c'est nul. C'est nul à chier leur système. Je vais finir sur Twitch. Ok. Donc c'est parti les potes. Bougez pas. Ah, j'avais dit que je mangeais une petite barre de KitKat. C'est nul à chier leur système. Je m'entends en double, un vrai plaisir. Attendez, hein. Je déguste ma petite barre de KitKat, les gars, parce que bon, c'est toujours un plaisir. Et on est bon, on est parti. Comment vous mangez mon KitKat, les gars? C'est bon. Moi, je suis en train de faire une gorge profonde au truc. C'est bon. Allez, on est parti, les gars. On y retourne.
On va se faire chauffer des trucs. Oh, on dirait le mec avec les, le Majora's Mask. Ok, le vendeur de masques. Qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais me cuisiner quelque chose. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités. Tiens, on va en prendre deux. On va te cuisiner ça, mec. Allez, toi, tu me le voles pas en face ou je t'arrache, hein, je te le dis direct. Et ben voilà. Wouh! 4 cœurs, mon pote! Ça fait peut-être un peu trop, non? Peut-être t'étais un peu américain. Ok, on va cuisiner ça. Et on est bon? Nightbot est en feu, ah bah ouais. Hein. Nightbot, il est en feu de ouf. Hein. Allez, brochette de poisson, protecto! Ok, on dirait un sort d'Harry Potter, le bordel. Ok, sauf yo frérot. Salutations! Je ne t'avais pas encore vu ici, c'est la première fois, tu voyages? Le grand fléau a laissé des traces en Hyrule, mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Il y a des monstres un peu partout, et toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition. Quand on se lance dans un voyage, la première chose à faire, c'est d'apprendre à préparer des remèdes. C'est bon, je sais en faire ça, j'ai pas le temps, moi. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de jumeaux par ici, c'est très courant par chez nous. Oula. À tel point que l'autre jour, un gamin m'a demandé si j'avais perdu ma jumelle. Ah ah ah, les enfants sont amusants. Ouais, c'est vrai que c'était une très bonne blague quand même. Yo frérot. Ah mais c'est trop bien, il a un petit stand et tout. À la plage, comme ça le mec il s'assoit, c'est un stand, il se met debout, c'est un stand, c'est génial. C'est génial. C'est ça alors. C'est bien la première fois que je vous vois, vous. Enchanté, futur monsieur client. Je me présente, je m'appelle Terry. Et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Et malgré ces temps mouvementés, je n'hésite pas à voyager par mon et par vos pour vous, mes chers clients. Fais-en pas trop, par contre. Mes articles vont des insectes les plus variés, ok, au grand indispensable du grand baroudeur, toujours à prix correct. Et si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas, je peux vous en racheter. Ouais, mais il parle, tu parles hébreu, cousin, là. Tu commences à parler espagnol, tu me saoules. Les pierres précieuses et autres trésors se revendent à un bon prix, vous savez. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Bien, bien. En quoi puis-je vous aider, monsieur le client? On va voir ce qu'il a à vendre. J'ai failli acheter... Oh putain, c'est tellement moins cher, ces flèches. Ah non, ah, ah non, c'est encore plus cher. Oh, le bâtard, il est encore plus cher. C'est chaud. Il était plus cher que l'autre qu'on avait trouvé, là, qui dormait. Ça vaut plus le coup de réveiller un vendeur. Allez, casse-toi. Ok. Oh! C'est un dans ta gueule! Oh. Oh. Dans ta gueule! Oh bah, chie dessus au passage là. Je peux le tuer? Oh, salope! Oh! C'est quoi ces conneries? Un œuf frais trouvé dans le nid et riche en nutriments. Trouvé dans un nid, c'est faux, je l'ai pas trouvé dans un nid. Oh non! Les bâtards! Courez pour votre vie, les gars! Non! Ah! Oh, ils vont me tuer. Non, c'est bon. Non, oh! Tête de ma mère! Venez! Ok, c'est bon. Oh putain! Ils ont laissé les assauts! C'est terrible! C'est terrible! Allez! On peut y aller. Ah, mais il y a trop de vendeurs, il y a trop de trucs là. Bienvenue! Tu veux te reposer dans notre établissement? Un lit normal te coûtera quoi? Tu peux avoir un lit extra moelleux, mais tu te fous de ma gueule, quelle différence? Nos lits extra moelleux sont la fierté de notre lait, ils coûtent un peu plus cher, mais tu te réveilleras plus reposé. Oh ben non, 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 je veux pas me reposer du tout, gros. Ça ira, merci bien. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais les monts? Ouais. Ok. À moi la fortune, je vais être riche. J'ai tendance à m'emballer quand je suis lancé sur le sujet. D'accord, 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 d'accord. Eux, ils donnent des petites astuces. Bon, on va éviter de faire chier les poules, pas trop longtemps. Lui, il a l'air de réfléchir. Ah, on a lui aussi, là. Ah, mais c'est le même vendeur! Qu'est-ce que tu sais du fonctionnement des relais? Bah pas grand-chose, explique-moi. C'est très simple, dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher ici ou n'importe quel autre relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour toi, ainsi il deviendra ta propre monture. Je peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux. Bien sûr, tu peux aussi relâcher ce dont tu ne veux plus. Et ben voilà. Allez, pas besoin, je sais attraper un cheval, déconne pas. Je faisais du chevaux déjà depuis l'âge de 2 ans, quoi. Je veux dire, si tu es là pour te reposer, ouais, raconte pas trop ta vie, gros. Allez, ça va, oh. Ah, je peux peut-être enregistrer un cheval? Non, attendez, bougez pas.
Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Vu que j'en ai monté deux, enregistre un cheval pour voir. Ah d'accord, ok, faut le ramener. Très bien, logique. Ah. Ok. Bon, bah c'est pas mal, écoutez, on peut repartir. Direction le village Cocorico. Ah les poules, ils en montrent gros, hein, les gars. Hein. Capture un canasson et renomme-le Gigi-Gitan. Ah, j'appellerai un petit cheval Gigi, les gars. On pourra dire que je monte Gigi, sans aucune pression. Bah tiens, il y a un cheval. Moi, je doute que le... Oh, il y a un cheval avec une mèche blonde. Ha. Quoi? Oh, je vais t'enculer, toi. Je veux lui, là, le noir. Tous les chevaux comme ça, un peu dark. Je vais l'appeler Dark Funeral, là, les gars. Ah, putain, salopard. Ah, il se laisse pas faire. Allez. Oula. On dirait quelqu'un qui rigolait, frère. Oh là. Non, putain, faut le calmer avec elle. C'est terrible. On dirait un mec qui rigolait, la chèvre. Ok, j'ai peut-être qu'en y allant comme ça, ça va être mieux, non? Au final. Il est pas facile, celui-là. Ah putain, salopard! Je te veux! Je te veux et je t'aurai. Le jeu est beau, hein. Vous avez vu, sérieux, la chèvre, les mecs? Elle était terrible, hein. Fais-le pendant 4 secondes. Ouais, 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 mais faut bombarder le L, ça, je savais pas. Je pensais qu'il fallait juste rester appuyé. Ok. 1, 2, 3. Ah oui, mais ma barre de... Putain. Ma barre de... d'endurance, je peux pas l'avoir, les gars, en vrai. Pourquoi les chevaux full black, ils sont aussi hardcore? Tue le poney, bouffe-le. Il y en a un dans le chat, le rire de ma meuf. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive. Putain! Je vais t'enculer, mec! Tête de ma mère! Dans ta gueule, va! Il est saoulé, celui-là! Je peux pas l'avoir, les gars, je peux pas! Prends la potion d'endurance! Bah ouais, mais les gars, pour un cheval... Non, 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 je vais péter le cheval d'un autre, là, j'en ai rien à foutre. Tiens, il y a des chevaux là-haut, là. Je veux juste un cheval. Bon, finalement, on va prendre Mèche Blonde, là, on va l'appeler Fufu, de toute façon. À un moment, je crois, il portait une perruque blonde dégueulasse, là, dans ses lives pour Far Cry. Tiens, on va prendre celui-là. Pourquoi ils sont si chauds à choper? Gros. Ah d'accord, j'ai réussi du premier coup, c'est qu'il doit être bien nul, ce bâtard. Merde. Ok. Il doit être bien nul. Bon, on va l'enregistrer quand même. Au moins, je pourrais l'appeler à n'importe quel moment. Ah, il est pas ouf, hein. Il est pas ouf en termes de mania, mais bon. Ok. Doucement. Ah ouais, je peux lui parler à distance. Très bien, ça. Suffisait de loquer à l'ancienne. Économise tes flèches. Oui, bon, ça va. Ça va, les gars. Je voulais juste lui mettre 2-3 flèches, histoire de dire « Souviens-toi de moi, pote. » Oh, il est pas dégueulasse. Allez, je prends. Ok. Nous donnons une petite participation pour couvrir nos frais, mais tu reçois le filet et la selle. Du relais en prime. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Donne le filet. Le filet, c'est pourquoi capturer des papillons? Merci beaucoup, tout est en ordre. Maintenant, pour que ce cheval devienne véritablement un monteur, il faut que tu lui donnes un nom. Ok. Eh ben, on va l'appeler Jiraya. On va l'appeler Jiraya, les gars. Gigi. Faut que ça soit un nom un peu, tu vois, un peu ridicule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Merci à toi, Nick Citrine. Ah, c'est toujours régal, la famille, c'est incroyable. Ok, bon, hey, Gigi, ça va suffire. Si on en trouve un autre. Gigi, ah, c'est une gonzesse. Allez. Et voilà, ta aventure est enregistrée.
Est-ce que tu veux partir avec? Bah oui, je la prends, tu vas pas me l'embarquer non plus. Et elle est où la selle? Ah. Oh, au fait, si tu t'éloignes de ta monture, au cours de ton voyage, il te suffit de siffler. D'accord, flèche du bas, je l'ai faite tout à l'heure sans faire exprès. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Et ben, on est parti, les gars. Allez, direction ce putain de village. Cocorico. On va y arriver. Faut qu'il me kiffe, ce cheval. Il est pas dégueulasse, en plus, hein, en vrai. Il a du 2 partout, c'est plutôt propre. Regardez les effets de lumière un peu, ça c'est cool aussi. Par rapport aux ombres. Lui il est tellement lent quoi, il est parti avant-hier le bordel. Ok là y'a rien. Ouais non y'a rien. Allez! Hop, voilà, ouais, fallait sauter le panneau hein, c'est pour le style les gars. C'est quoi ça là-haut là? C'est une chèvre. Où est le village il est là-haut? Le rire. Enfin le rire, non le cri pardon. Ok lui c'est un vendeur ambulant, on s'en fout. Pont de Cocorico. Mais est-ce qu'au moins le village il ressemble encore à quelque chose? Vas-y frérot, abuse pas, c'est... Le truc c'est un galet au sol là, il est en train de te bloquer comme Jaja. Voilà, saute-moi ça là, voilà. Sois habile un peu. On est bientôt arrivé au village. Ah ah ah, il y a pas mal de trucs là. Ok stop 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 stop. Pas mal de trucs sympas. On prend. Ça, ça vaut cher. Hein. C'est 60 rubis, les gars. Hop, qu'est-ce que c'est? Fleur Armo. Cette plante médicinale est si robuste qu'on ne peut l'écraser en la piétinant. Bah, c'est bien, ça. Qu'est-ce que c'est? Herbe d'Hyrule. Incroyable. On découvre pas mal de choses. Hop. Oh, un silex. Impeccable. Ok, on a encore découvert pas mal de choses. C'est pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items, les mecs, là. Hein. Un FPS. Ça lag pas, c'est votre co. Oui, bah baissez, hein, les gars. Si vous avez pas une co. Si vous avez pas les couilles d'avoir une bonne co, bon, voilà, hein. Faites un effort aussi. Hein. Allez, direction le village, les potes. Oh, oh mais c'est quoi ça? Mais les cris de moutons, ils se sont chiés dessus, les mecs. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est, ça? Un arbre? D'accord. Il est chelou. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Nom d'une noix! Dis donc, petite noisette! Tu peux me voir? Oui, oui. Youpi, youpi, c'est fantastique! C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir! Je m'appelle Noïa. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent juste là ont caché mes maracas adorées. Bah alors? Bon, on va s'en occuper. Ces vilains monstres se cachent juste derrière ce rocher. Tu m'emmènes au charbon, quoi. Ok. Sans ces instruments, je ne peux utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés, s'il te plaît? Eh ben, volontiers, mon ami. Volontiers, on va le faire de suite. On va le faire de suite. Vous savez que je vais me faire littéralement arracher, d'ailleurs. Mais bon, sur un malentendu, on peut y arriver. J'ai combien de flèches, en plus? Putain, les gars, je crois que c'est terrible. J'ai pas beaucoup de flèches. Ok. Alors. Voilà. Oh putain, la caméra décolle pas. Non. Oui. Foncez. Go. Oh, je l'ai enculé. Ok, mon pote. Alors, t'as kiffé ou quoi? Ok, on va prendre quoi? On va prendre ça? On va prendre ça. Allez, ça dégage. Oh putain, c'était pas évident, hein. Pas évident, ça, hein. C'était beau, la petite esquive, là, alors que la caméra, elle était buggée. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Merde, j'ai ramassé un peu trop de trucs inutiles, par contre. Et ça, c'est bien dommage. C'est pas grave, on les jettera plus tard. Donnez-moi un truc cool. Et oui, et maintenant c'est vrai que je peux traverser les eaux avec le truc de glace. J'ai tendance à oublier mes pouvoirs. On en a tellement eu dès le début du jeu que c'est pas évident. Allez, maracas de Noïa. Il les avait perdus il y a 2 ans. C'est 2 ans qu'il attend là comme un connard. C'est terrible pour lui. Et ça, je peux casser?
Yes. Pas mal. C'est vraiment bien foutu. Honnêtement, le jeu est très propre. Est-ce qu'il mérite 20 sur 20? Pour le moment, je trouve toujours pas. Mais j'ai toujours pas fait de vrai donjon. Mais bon, 20 sur 20, je trouve ça un peu exagéré. Quand techniquement, on a forcément déjà quelque chose à lui reprocher, c'est pas évident de... Voilà, 19, je dis pas. 18, ouais, ça aurait été peut-être plus approprié. 20, les gars. Petit côté américain qui a parlé, là, quand même. Hein. Mais que vois-je là? Et pour moi, d'ailleurs, aucun jeu mérite vraiment 20. Mais bon. Mes maracas, rends-les-moi. Tiens, frérot. Il a des cils, frère. C'est ses yeux. Comme je suis content, Oh, mais écoute, mes maracas, ils sont vides, ils ne contiennent plus une seule noix de Korogu. Impossible d'en jouer, Snifou. D'accord, si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple, ça te ferait plaisir. Bah, bien sûr, attends. Oh. Les enfants de la forêt ont pris les noix qui étaient dans mes maracas. Je suis parti à leur recherche, mais sans succès. Sniff, sniff, cette odeur, c'est celle d'une noix. Les enfants de la forêt t'en ont offert. Ah, si tu m'en donnes une, j'ai... Eh ben vas-y, allez, tiens. Je savais même pas que j'en avais au moins, c'est réglé. Ah si! Celui que j'avais trouvé, là, qui se cachait, le petit salopard. Ok. J'améliore quoi? Celui des armes, des arcs ou des boucliclis? Alors, les arcs, pour l'instant, j'en ai pas masse. Par contre, c'est vrai que des armes... Allez, franchement, des armes. Reçu 5 sur 5. Allez, danse avec moi, petite noisette. Ouais, bébé, vas-y. Ouais, ouais. Allez, dansez. Oh, c'est court. C'est très court. Une seule? C'est tout? Oh, la déception! La déception! J'ai agrandi, grandi le compartiment des armes. Youpi, merci, merci! Je vais rester ici. Un petit moment, alors si tu trouves d'autres noix, apporte-les moi. Les petites noix, d'accord. De précieux maracas. Quête, mission, complete. On est pas mal, les gars. On est pas mal, on l'a réussi. Bon, on est reparti, on continue, les potes. Aucun souci. En tout cas, ça s'est plutôt très très bien passé. Allez. Je suis outré. il est où mon cheval, d'ailleurs? Tiens. Hop, je l'appelle, juste pour le plaisir. Pour me la péter devant le gars. Ça va. C'est bien, c'est bien. C'est sympa qu'il y ait des mecs comme ça qui vont de village à un autre. Font des petits allers-retours. Ça donne de la vie. Ça, c'est pas mal. C'est sympa. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Ah, putain, il est crevé. Allez, dépêche-toi, salope. Et il veut pas. Allez, c'est bon. Oh là, oh là, tu vas en bien, gros. Qu'est-ce qui t'arrive? Bourré mon cheval ou quoi là? Putain, les notes de piano, par contre, les mecs, ils les perchaient quoi. Ils ont mis un mec sur un piano, ils ont dit frère, joue comme tu sens, mais pas plus d'une note par une note, tu vois. Fais pas un kiff de note d'un coup. Oh, qu'est-ce que. Top, 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 top. Casse-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, casse-toi, j'ai pas le temps. Allez, casse-toi, j'ai dit. Ok. C'est quoi ça? C'est refait plus jamais ça? T'es sérieux ou quoi? Ok. Ok, et est-ce que le pouvoir de l'aimant? Ah d'accord. Effectivement. Ah, on remet tout en place. Hein. Oh, yo. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Eh ben voilà, encore une noix. Yes. Je file améliorer tout de suite encore mon inventaire. Oh, on est bon, on est bon. Aucune énigme ne me résiste. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va de ce pas. Ah, c'est sympa ça, il va nous refaire une petite danse en plus. Deux danses pour le prix d'une en une seule vidéo. Incroyable! Il était où? Il était là. Oh mec! Ah, mais ça, c'est des chevaux bas de gamme ça. Hein. Ça au PMU, ça va nulle part. Allez gros, t'es là, t'es manipulé! Ça va aussi! Ok, doucement, doucement. Hop. Yo frérot, refais-moi une petite danse, s'il te plaît. Youpi! Allez, vas-y.
Tu as d'autres noix? Quel compartiment? Allez, encore les armes. Donne-moi deux, hein? Bah tiens, vas-y, deux, frère. Ah, mais gros, bah ouais, j'en ai qu'une. T'es con, quoi? Bon, bah vas-y, les armes. Allez, c'est parti, une petite danse. Je pouvais pas partir sans une dernière danse. Vas-y, bébé, ouais. Boss! Et allez! Un nouveau compartiment, je peux avoir de nouvelles flèches et ça c'est cool! Et il y a eu un don, 10€, salut B-Boy! Tu joues sur quel? Tu joues sur quel? Sur quel? Ah! Sur quelle console? Écoute, Geoffrey, je joue sur Switch. Voilà, on est sur Switch là, on est calmement sur Switch. Et sur le super chat Infinity, coucou B-Boy, tu me régales tous les jours avec tes vidéos, je m'endors le soir avec, j'ai pris cette habitude, encore merci! Et merci aux génies qui sont là. Merci à toi, frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Évidemment. Ça me touche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. J'ai agrandi, grandi le compartiment des arcs et des flèches. Ça, c'est cool. Si je rentre pas, Pépé va me gronder. Sniff. Désolé, petite noisette. Je dois rentrer chez moi. Mais j'ai encore besoin de tout plein de noix. Si tu en trouves d'autres, viens me voir à la forêt Korugu. D'accord. Il se casse. Genre, il va vraiment se casser. Aucun problème. Allez, on est parti les potes. Il a un peu du mal là, voilà. T'as rien que pour démarrer, c'est un diesel quoi mon cheval. C'est pas mal ça les gars, vous en pensez quoi là? On est bon ou pas? Ah mais gros, t'es doué mec, arrête. Je vous jure, je vais tout droit avec le stick et... Il se fait des kiffs le cheval là. Il se fait des petits kiffs au calme. Arrête d'aller à gauche! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as le cerveau qui penche vers la gauche ou quoi gros? Il m'a saoulé. Putain, y'a quoi là-haut? Y'a quoi là-haut? Ah, des champignons. Allez. Ah, c'est pas vrai. Il est insupportable. À gérer, il est insupportable. Tu m'étonnes qu'il est docile, il est tout cané là. Je vais l'arracher, mon propre cheval. Gigi, tu déconnes là. Hein. Putain, le village le plus loin que j'ai jamais été voir. Alors, quoique le village Cocorico, il est toujours enfoncé entre les montagnes. En tout cas, c'était ça dans Twilight Princess, il semble. Et ben voilà. Et bienvenue au village de Cocorico. Pas mal, ça. Allez, premier village du jeu. Ouiouioui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Ah! T'avais la tête baissée. Jeune voyageur, désolé, je crois que je me suis foulé la cheville. Oh là là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je te porte? Je suis un peu gêné que tu me trouves dans cette situation. Ok. Jeune voyageur, faut parler par contre. Cet objet suspendu à ta ceinture, où l'as-tu trouvé? Eh bien... Voilà, le mec qui parle pas. Bien, bien, je vois, cette tablette chez Kai, la preuve que tu es l'élu. Il ne reste que beaucoup de gens en ce bas monde qui sauraient te reconnaître. Nous autres, chez Ika, nous attendons ta venue depuis fort longtemps. Va vite voir votre chef, dame Impa. Où est-elle? Bah dans le village, je suppose. Eh ben oui, dans la plus grande des maisons. La demeure de la dame se trouve au pied des chutes plumages, par là-bas. Tu sais, c'est merveilleux d'avoir pu te rencontrer. Heureusement que j'ai eu la chance de vivre assez longtemps. Écoute, je reviendrai ce soir, on va se faire une petite soirée toi et moi. Ça va être très sympa. N'en dis pas plus. Âme sensible s'abstenir. Ok, il y a des poules. Le qui me lâche un nouvel œuf. Dommage, je veux pas. On va pas trop insister, vous savez que ça va mal finir. J'ai perdu mon épée, dommage. Elle se brise tellement facilement, c'est terrible. On va rester au marteau. Qu'est-ce qu'on a là? Une torche, pas ouf. Y a pas un petit vendeur, quelque chose? Tiens, y a un temps de chargement quand je rentre quelque part? Ah non, impeccable. Ok, bon, on va peut-être pas le réveiller, le pauvre. Il a rien demandé, miskin. Tiens, on peut pas chourer ça là? Une belle citrouille. Mieux vaut attendre que le propriétaire revienne plutôt que l'accueillir sans permission. Ouais. C'est pas faux, nous ne sommes pas des voleurs, voyons. C'est sympa la petite ambiance type asiatique là. Ah, bienvenue! Oh, ça vend des capes et tout, c'est incroyable! Bienvenue chez les 4 petites mains. La boutique de vêtements de qualité, notre magasin propose en exclusivité les articles spéciaux de la collection Kanishik. Un conseil, jette immédiatement un œil à cette combinaison furtive. Juste là, tu me seras... Ok. Nous achetons aussi des vêtements d'occasion. Achète-moi un truc. Non.
Eh bien quoi? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de la collection Canichic. Notre collection de rêves regroupe les articles que j'ai moi-même sélectionnés et que je recommande chaudement. Ok, chacun de ces articles présente des caractéristiques qui lui sont propres, alors examine-les de près. D'accord. Bon, on va examiner ça. Elle est stylée, la cape. Ça, c'est le Link capilienne. Elle est swagman. Pantalon illien. Ok, ça coûte la peau du cul. Oh! C'est joli, n'est-ce pas? C'est une exclusivité des 4 petites mains disponibles en édition limitée. Avec cette tenue, tes bruits de pas sont tellement étouffés qu'on entend à peine venir. Parfait pour la chasse, bien sûr. Bon, elle affaiblit aussi un peu ta défense. Ah ouais, c'est déjà chaud, gros. On dirait pas la tenue qu'avait Sheik, les gars? Bah même dans Super Smash Bros, je crois qu'elle a cette tenue. On dirait grave, non? 500 balles, 700 balles, 600 balles. Bah mange tes morts, gros, je vais acheter une capuche, ça ira très bien. Allez, achète-moi un truc. Est-ce que vous me conseillez de revendre les ambres, les gars? Les gars, essayez de me dire un peu. Après, B-Boy Passion Cuisine... Cuisine? B-Boy Passion Mode, j'ai du mal, hein. J'ai du mal, hein. Si, clairement, pas de thunes. Y aura la VOD? Oui, il y aura la VOD, bien sûr. C'est celle-là, c'est sûr. On est d'accord, hein. On est d'accord, hein. Ça ressemble tellement... Ouais, c'est celle de chez Ika, hein. Oui, je revends tous les ambres. Tout. Vends-les. Faites pas les cons, les mecs, hein. M'arnaquez pas, les gars, hein. C'est pas le moment de me baiser, hein. Je vous lis, c'est le moment, les gars. Monnaie, oui. Bon, et je vous fais confiance. On va vendre le truc qui vaut la peau du cul, là. Eh, j'en garde une histoire de dire. Quand même, les mecs. Parce que je vous fais confiance, hein, je vous aime bien, hein, mais... Mais tu vois ce que je veux dire, frère? Ok, pas mal. Ce fossile aussi se porte en bijoux ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ah, si ça se porte en bijoux et que je peux pas le porter, de toute façon, je pense que c'est fait pour la revente, hein. Vends tout ce qui a de la valeur. Vends tes fesses. Ah bah, les gars, si je peux avoir une petite tenue gratos, je les vends volonté, hein. Mon petit cul comme ça, là, tu vois. Ok, sympa. C'est pour ça que j'aime bien faire en live. J'aimerais vraiment faire plus d'aventures en live. Histoire de vous demander de temps en temps des petits conseils et vous me pipiez à gauche, à droite. Un plaisir, quoi. Je lui en vends 2. Ok, marché conclu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai envie de mettre la capuche trop stylée là. On va la prendre. Du crabe, non, ça se vend pas ça. Hop, des remèdes faits maison, ils ont rien à foutre. Impeccable. Je vais acheter déjà la capuche, elle est trop stylée. Et j'ai envie. Allez, casse-toi par contre, tu me saoules là. Reviens quand tu veux. Et ben voilà. Ah, elle est trop swag. Ah, j'aime bien, c'est mon petit côté un petit peu dark, tu vois. Pas tout, B-Boy, ils vont te baiser. Vends tes vieux champignons, tu t'en sers pas. Bah si, j'en ferai des petits trucs, les gars, j'en ferai des petits trucs. Allez, merci bien. C'est cool. Et ça, c'est 120. Ah, ça reste une meilleure tenue, les mecs, hein, quand même. Hein. J'achète les deux, non? Je prends la full tenue, en vrai, non? Oh, comment elle est swag. Je suis grave stylé comme ça. Franchement, j'achète la full tenue, les gars, non? En vrai. Achète le pantalon, prends la tenue. Bah, dites-moi oui ou non, les gars. Franchement, dites-moi oui ou non. Prends tout. Ouais, achète toute la tenue, full tenue, vends ton âme. Ouais, allez, les gars. On aura le temps de se refaire de la thune, les gars, s'il faut, de toute façon. Si vraiment, c'est la merde. Allez, je vous fais confiance, les mecs. Hein. Faites pas les cons. Hein. Et en plus, il me reste de l'air. Mais l'autre, elle est en extase dès que je regarde un truc. Qu'est-ce que... Allez, ouais, je t'ai fait kiffer, c'est normal. Si je peux te régaler. Ah, je suis tellement plus swag. Bon, je ressemble à une gonzesse un peu, mais bon. C'est pas grave, on a rien contre les gonzesses. Je suis swag, hein. Honnêtement, je suis swag. C'est le swag, c'est le look du swag. Ok, le village, c'est fait. Bon, va falloir que j'aille voir un pas. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes en stress? Qui va là? C'est la demeure de la dame à un pas ici. Mais cet objet ne serait-ce pas la table chez Ika? Mais alors tu es... Nom de Zeus! Se pourrait-il que tu sois... Faut parler, les frères.
Pardonne-nous notre impolitesse. Ah, tu changes de comportement. Dame Impa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Je préfère. Pipe-moi. Tiens, hop, on prend ça, rien à foutre. Je vous raquette avant. Voilà, cours pas comme ça, petit. Il y a un magasin d'armes. Ce serait cool. C'est vrai qu'on en a pas vu encore. On en a pas encore vu. Bougez pas, on va rentrer un petit peu partout. Avant d'aller voir Dame Impa. Ah, arbalète. Qu'est-ce donc? Oh, c'est mignon, un poulailler. D'accord, rien à faire. Rien à faire pour le moment. Je pense qu'il y a un magasin d'armes et qu'il est juste en face. Ouais, la poule, genre, elle est devant le feu, elle est là. Elle fait... Eh, les gars, on est super bien ici. Bonne ambiance. Je vole les offrandes, mais ouais, les gars, on a rien à foutre. Priez, priez pour moi, tout simplement. Tiens, casse-toi. Hop, tu veux pas chier un œuf, là? Fais plaisir. Ouais, t'es chiant, hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un orc. Ah non, oh putain. Blasphème! Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes de triomphe, je vais te offrir plus de puissance. Malheureusement, tu sens posséder moins de 4 cœurs. Trouve les sanctuaires. Je le ferai, dame. J'hésite, j'ai envie de me mettre full cœur en mode bas les couilles de l'endurance. Ok, ça c'est un truc d'arme, ça. Je suis quasi sûr. Yo! Dors pas. Tu as un client, bien sûr. Oh... C'est 20 rubis. Oh, mais non, t'es chiant. Allez, on se casse. Hors de question que je dorme ici. T'as vu ma tenue? Je suis trop stylé. Pas de temps à perdre pour tes conneries. Ça, c'est un magasin d'armes, ça, non? Au bonheur des femmes. Mm-hmm. Bonjour, bande de putes. ok, tu vends que des fruits, mes frères. Des carottes, j'en ai rien à foutre. Oh, mais j'en ai rien à foutre. Oh là 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 là, la lourde. Fais une offrande, vous croyez? Vous voulez que je fasse une offrande? Eh, tu sais quoi, je les ai raquettés, je peux bien faire une offrande, pas plus, hein. Abusez pas. Vas-y, je fais une offrande, on va essayer. Voilà. J'ai fait une offrande. Peut-être que si je mets une offrande partout... Non. Franchement, il y a peut-être un petit truc. Bougez pas. Ah non, 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 ça fait beaucoup d'offrandes, ça. Une offrande partout, ça peut faire quelque chose d'après vous? Putain, et s'ils me font perdre mon temps, je suis tout brûlé. Ok. Merde! Ah, oh, j'avais faim, les gars. Écoutez, c'est comme ça. C'était plus fort que moi. Cette pomme était succulente. Putain, ça sent la carotte tellement. Ça serait bien, hein, s'ils pensaient à un truc comme ça, là. Oh oui! Yes! Shin Machine! Alors, les gars! And his name is John Cena. Oh, nom d'une feuille, qu'est-ce qui se passe? Le petit John Cena qui débarque de nulle part! Petit dans le petit, merci Boobs Sauvage, tu es un amour! Boobs, qui est modératrice, évidemment, respectez-la quoi qu'il arrive! Boobs, hésite pas à modérer hein, sur le chat YouTube, t'as les droits. Hein. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ok! Tu m'as donné ma noix là? À la revoyure, allez, casse-toi! Hop, on récupère. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. GG. Ah, les gars. GG. Normal, c'est normal. On vous régale, je vous régale, on se régale, on se régale. Tu vois, on va pas tergiverser, les gars. Allez, on est parti, on peut continuer. En tout cas, c'est incroyable, n'est-ce pas? On va passer par où? Diamant du matin. T'as des diamants? Amen, mon pote. Allez, on va voir un pas. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire ou nous donner, je ne sais pas. Ce serait bien qu'elle me donne une épée. Oh, qui es-tu? Un garçon! Bah attends, ça va, je t'ai pas encore montré mon... mon arme... Incroyable! Serait-ce la tablette chez Ika? Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Messire Li-Li-O-Je-Je... Oh là! N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom, c'est juste que les mots... ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme Paya. Oh putain, là, t'es lourde. Commence à parler espagnol. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Allez, casse-toi. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi. Ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Elle est incroyable, votre grand-mère. Entrez, je vous prie. Grand-mère vous y attend. Hello, jeune pucelle. Un pas. Alors, te voilà enfin réveillé.
On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre. Mais tu me reconnais, j'espère. Eh oui. Ah, c'est sympa, elle a grave changé un pas, wesh. Bah, les gars, hein, 100 ans après, tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Ah, mais il a tout oublié, miskin Link. Mais enfin, c'est moi, un pas. Tu te souviens bien, au moins, de mon nom, quand même. Je sais pas. Tu n'as vraiment aucun souvenir. J'aimerais vous montrer, justement, une image d'un pas, avant. Histoire que... ce qu'ils ont fait les anciens, ça vous dise quelque chose? Vous voulez que je vous montre une image d'un pas ou pas? Tapez un pas sur Google Images, tout simplement. Hein. Parce que là, vous êtes là, vous me racontez vos vies, les gars. Et vous verrez. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi, en ce moment. Link, approche-toi, s'il te plaît. J'arrive à un pas. Je fais un pas ou deux. Il y a un siècle. Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ça, c'est terrible. Terrible. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon seule. Miskin. Miskin, pourquoi elle est partie faire ça? La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer ce message. Et ben voilà, c'est incroyable. J'aimerais vraiment... Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de vous choper une image d'un pas. Histoire que vous voyez quand même... Ah non, on fait pas les trucs... moi, les gars, je suis dans les montages. Voilà, hein. Nous, on est incroyables. Je vous montre un pas. Bougez pas. Et il n'y a aucun putain de problème. Parce que un pas, c'était une guerrière. Hein. C'était une guerrière. Elle était là. Elle guerriait les gens. Bougez pas. Vous allez voir comment elle était bien stylée. Je l'ai retrouvée. Hop. Allez, je l'ai. Je vais vous la montrer. Donc ça, c'est un pas. Ah, un pas vaut mieux que deux, tu l'auras, comme on dit. Hein. Ah, putain, je suis lourd. Hein. Je suis lourd. Alors, bougez pas. Bougez pas. Impa. Oui, bon, appelez-le comme vous voulez, les gars. Appelez-le comme vous voulez. Bon, là, elle est moins bonne, entre guillemets, parce que vous êtes là à dire que c'est une bonasse. Mais je vais vous la retrouver. Hop. Un pas, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Elle est là. Voilà, ça, c'était un pas. Un pas avant, un pas après. Un pas après l'autre. C'est pas un pas. Lol, un pas ou deux. Bah, comment ça, c'est pas un pas? C'est impa. Oui, non mais, les gars, prononcez-le comme vous voulez, les gars. Prononcez-le comme vous voulez. Bon, ça, c'était impa avant. De toute façon, ils parlent pas, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça change. Ah, elle était stylée avant. Ah bah oui, elle était stylée. Je crois même qu'elle était... on pouvait la jouer dans Super Smash Bros. Ou pas? Bon, je crois qu'on pouvait la jouer. Je vais vous mettre la photo le temps de la conversation, histoire que vous ayez de quoi faire. C'est pas la même impa. C'est pas la même. C'est pas normal, alors. Ils se sont foutus de notre gueule. Elle a rétréci. Je veux bien. C'est possible que ça soit pas la même. Hein. Après, encore une fois, c'est une timeline différente. Donc, c'est là où Link aurait perdu. Mais bon. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ses paroles. Oui, mais là, c'était une impa qui a été artworkée. C'est-à-dire que forcément, avant, elle était dégueulasse. Elle n'avait pas de texture, c'était terrible. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Mais bien sûr que je suis prêt. Cela étant dit, il me sera difficile de t'imposer une telle décision, alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Je suis prêt, femme! La princesse Zelda t'a laissé un message au péril de ta vie. Je te transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. L'es-tu? Là tout de suite. Si je mets oui, tu vas faire quoi? Attends, je vais sauvegarder, on va mettre oui. Ok, prends ton temps, reviens me voir. Ok, on va sauvegarder quand même, hein, les gars, hein. On va save, on sait pas ce qui nous attend, c'est terrible. On va save et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. La princesse Zelda t'a laissé un message au péril de ta vie. Es-tu prêt à l'entendre? Oui. Oh, rigole pas trop. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé.
Tu es toujours ce valeureux chevalier épris de justice, avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Vas-y ma sœur, on est parti les gars. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leur tâche. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang, et scella le démon. D'accord. Ils ont pas trop voulu traduire, enfin mettre de voix. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimé. Pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé? Je suppose que... Libère les 4 créatures divines. C'était sûr, voilà. Je suppose que les 4 créatures divines, comme les gardiens et tout, sont devenus méchants, donc, ou autonomes. Et donc, ça veut dire 4 donjons, parce qu'apparemment, il y a 4 donjons dans Zelda. Et chaque fin de donjon égale une créature divine à arracher, pour redonner sa liberté. Les créatures divines, nouvel objectif. Malheureusement, j'ai l'impression que la tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique, au village des limites. Il est où? Tiens. Vas-y, montre-moi. Ah, une nouvelle zone. Incroyable. Elimite est sur le point qui brille tout à l'est. Vous avez vu comme la carte est gigantesque? Il nous a fallu 5 heures pour parcourir juste notre éveil au village Cocorico. Il va limite falloir encore 5 heures pour aller jusque là-haut.
l'héritage de Zelda. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Ouais, regardez, elle cligne hâte des yeux. Elle te regarde, frère, elle cligne pas. Elle fait, je clignerai pas. Y'a pas un coffre là-haut? Régale-moi, là. Impa. Impa, impa, tout ce que tu veux, frère. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le journal de Paya. On dirait qu'elle vient juste de commencer. Grand-mère l'attend depuis 100 ans déjà. Avec son hôtesse Zelda et grand-tantine, elle aurait plongé un chevalier dans un profond sommeil. Elle dit qu'il s'appelle Link, aujourd'hui encore. Grand-mère l'attend sans jamais se décourager. Je prierai pour le destin d'Hyrule, mais aussi pour la grand-mère. Ah, tu veux me dire quoi d'intéressant? Messire Link, c'est ma chambre, pourriez-vous sortir au plus vite? Ah, très bien. Je vois que ça veut pas partager sa petite intimité, ça fait plaisir. Bon! Bon, bah voilà, on en a encore appris un peu plus. C'est pas mal, le fouineur. Bah les gars, moi je vois une chambre, je rentre dedans comme si c'était à la maison, c'est normal, hein, les mecs. Hein. C'est normal. Hein. Vous pouvez pas me le reprocher, les gars, hein. Ça va aussi, la comédie. Hein. Donc on est parti, les gars, il commence à pleuvoir dans le village Cocorico. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai ma petite idée, on va faire un temple à côté. Et on va revenir se remettre soit un cœur, soit plus d'endurance. Vous en pensez quoi? Ça me paraît être une bonne idée, ça, non? Ça me paraît être une très très bonne idée. On va faire ça. Alors. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça. Ouais, je suppose qu'il y a bien un petit temple à côté. Il doit y avoir forcément un petit temple à côté. Donc on est parti. On est parti, les gars. Salut, B-Boy. La frite? Ah, c'est pour me demander si ça va? Au lieu de la patate, peut-être, non? Non, ça doit être ça, je pense. Ouais, bah la frite, écoute, la frite. J'espère que toi aussi, t'as la frite. Ok, on est parti, c'est par là-bas. Ah, très bien, j'ai fait une capture d'écran, voilà, c'est un plaisir, les gars. Oh, ça restera un souvenir. Ça restera inscrit dans la légende. Des habits par ici, c'est bon, je suis full stuff. Enfin, je suis full stuff. Je suis bien, quoi. Ok, on se casse du village. Ils m'ont tous cassé les couilles là-dedans. Et on va essayer de chercher un petit temple. Et dès qu'on a fait le temple, bah on peut s'en aller. On peut s'en aller. Oh, mon cheval, il m'a attendu impeccable. Allez, vas-y, viens, frère, on se casse. Allez, 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 allez. C'est parti. Allez, gros! Putain, merde, te fais pas désirer. Putain, mais le cheval alcoolique de ouf! Ok, c'est bon. Je commence à savoir, putain, mais à manipuler, c'est la merde. Je suis sur Twitch, oh putain, je suis sur Switch, hein, pour tous ceux qui demandent, hein. Et non Wii U. Apparemment, la version Wii U est quand même bien dégueulasse. Ok, c'est bon. Ah, il y a de la pierre ici, peut-être quelque chose de... Oh, je la reprendrai. Je repasserai souvent ici, je pense. Ok. Putain, fais chier. Même le cheval, t'as l'impression, il est tout lent, là. Ok, on y va, les gars. C'est sympa, hein, les gens qui se baladent, hein. Vous avez vu, ça, c'est cool, hein. On va essayer de... Ah, putain, faut que j'arrête de l'épuiser, j'en ai marre. Lag, grosse à lag. Oui, bah, les gars, c'est la 4G, c'est possible, c'est possible. Pardonnez-moi, messire, pardonnez-moi. Ça va arriver, pas qu'une fois. Ok, le donjon... Enfin, le temple là-haut a été fait. Doucement, doucement. J'ai ma petite idée. On va aller faire la tour. On va aller faire la tour pour déjà avoir la carte. Ça serait pas mal. Et après, on pourra se barrer. Ça me paraît cool. Ça me paraît être un bon planning. On va faire ça. Ok, les gars. Bon, on va faire la tour. Soit la tour, soit le temple. Vous inquiétez pas. Et puis après... Oh putain, mais les gars, le cheval, il est bourré de ouf. Allez, casse-toi. Va crever là-haut. Oh. Tu es plutôt bien bâti et tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée et de l'arc. Que dirais-tu de nous rejoindre au gang? Le gang? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment? Tu ignores qui nous sommes? Eh bien, je vais t'expliquer. Le gang des Yigas, c'est le groupe de fiers combattants fondé par le grand Koga pour combattre le méprisable héros. Mais c'est moi le héros. Et je dois dire que tu ne pouvais pas mieux tomber, Link. Prépare-toi à mourir. Quoi? Wow! Ninja! Mais c'est quoi ça? Casse-toi! Ok, attendez, on est mort là. On est mort, il va me falloir une épée beaucoup plus
facile à manier. Ferme-la. Oula, calme-toi, Jackie Chan. Ok. Ah putain. Wow, calme-toi, Naruto. Salopin. Mais putain, vas-y, Link, là, oh. Tête de ma mère. Vas-y, viens. Viens faire le show, là. Allez, viens. Oh, putain, salopard. Ok, c'est pas le moment de crever, les mecs. D'accord. Je vois que ça veut m'embrouiller. Ok, j'ai trouvé comment l'avoir. Merde! Ok. Ok, c'est bon. Allez, boum! Casse-toi! Bitch! Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Serpe coupe-gorge, cette arme peu solide est le symbole même de la cruauté des gangs. Très bien. Ah, je peux pas le prendre, ça c'est chiant. Ok, c'était pas évident, hein. C'était pas évident, il m'a un peu saoulé. Qu'est-ce qu'on peut... Ça, là, ça, jeter, ça, c'est nul à chier. Ok. Banane lame. Oh, c'est fruit originaire, ok. Renforcerait les muscles une fois cuisiné. Augmente l'attaque. Yes, et du rubis. Il était chaud, les gars, non? Il était chaud de ouf, hein. Ok, on peut y aller. Tiens, j'ai appelé mon cheval, là. Dis-moi pas qu'il s'est bloqué, ce connard. C'est bon, il s'est débloqué. Non, mais regardez. Regardez, il est bourré, j'ai le cheval le plus canné de l'histoire. Regardez, il se bloque partout. Ok, c'est bon. Allez, viens. Allez, on est parti. Allez, par contre, je veux que t'ailles à gauche. Est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? On est reparti à l'aventure. Putain, il était chaud, le mec, hein. Je me demande combien on va en affronter comme ça, là. Par contre, il m'a donné une arme. Attention, hein. Comme on dit dans le milieu, Psartek, hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Toutes ces ruines, là. Ok, là-bas, il y a un avant-poste. Ah, c'est surtout la tour là-haut qui m'intéresse. Elle est super loin quand même. Je la voyais pas aussi loin, je vous avoue. Et il n'y a pas de temple. En même temps, on peut pas y avoir. Le jeu a l'air gigantesque, mais réellement la map. Hein. Peut-être une des maps les plus grandes qu'on ait jamais vues. Hein, parce que là, c'est impressionnant. Hein. Je sais pas. Ah, peut-être GTA 6. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vous avoue, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ouais, j'aimerais bien aller là-haut. On va voir un petit peu ce que... Allez, casse-toi, tu m'as saoulé. Eh bah, c'est bon, t'énerve pas. Ok, on va là-haut, parce que j'aimerais aller sur la tour, tout là-bas. Pour cela... Eh, je suis déjà hors-piste. Et je peux passer par ici. Oh putain, matez ça. Matez ça. Oh putain, matez ça aussi. Oh yes, diamant brut. Oh, ça doit valoir une blinde. Oh, ton passe brut. Oh, ça doit valoir une blinde. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est rien. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, je peux rien faire avec ça. Je pensais pouvoir faire quelque chose, mais pas du tout. Eh ben écoutez, on continue. On va essayer d'aller vers la tour. Je sais pas si on peut... Oh, qu'est-ce que c'est? Les champis, je prends. On va faire plus, faudrait faire un peu plus de cuisine. On va se consacrer à ça, épisode 3, les gars. Épisode 3, full cuisine. Je sais que c'est pas un planning qui fait rêver, mais enfin bon. Ok, faut que j'aille là-haut. Ouais. Bah écoutez, on va y aller.
Ok, j'arriverai à temps. On est large. On est large, les gars. La pierre en dessous. Ouais, bah ouais, mais bon, flemme de tout bousculer comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a une épée, on va se battre à la hache, à l'ancienne un peu. Ah ouais, mais j'ai plus, putain, c'est chiant. Donc toi, tu vas descendre avec moi, frérot. Tu vas descendre. Putain, il est pas mort, dur. Ah là là, les armes de merde. Ok. Bon, bah on va se battre avec de vraies armes. Avec ça, tiens, une houe. Oh, les gros coups de houe comme ça, là. Ah. Oh, les coups de houe, mon pote. Ok. Allez, ça dégage. Putain, ça donne aucune flèche. Y'en a pas un connard qui va me donner une flèche. Toi. Allez, casse-toi. Ok. Y'a pas un connard qui m'a donné des flèches. C'est bien dommage. Salut. La houe qui te calme. Ouh là là, ça fait mal. Oh là là, putain, les gars, on est parti sur des jeux de mots. Ah bah voilà. Merci, putain. Donc le coffre, il est où? Il est où, il est où? Tiens, on va s'équiper de quelque chose. Une fourche. Ah, on va mettre ça. C'est dommage hein, que les armes s'abîment aussi facilement. Ça, c'est un peu chiant. Ah, je vous avoue que ça m'énerve un petit peu, là. Opale brute, très bien, ça vaut de l'argent, on prend. Ça m'énerve un petit peu. Après, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. C'est comme ça que ça doit se faire, mais bon. Le fait que tu dois jeter à chaque fois ton arme, toutes les 5 secondes, tu mets 10 coups, ton arme elle est déjà usée, t'as jamais eu ça de ta vie. Imagine ton daron, il va acheter une pelle, il va planter 3 carottes, gros, il doit acheter une pelle. Un peu chaud, quoi, tu vois. Un peu chaud. Eh, attendez, je peux l'appeler ou pas? Bon, ça m'étonnerait, hein. S'il arrive à venir, je l'appelle Jésus, quoi, mon cheval. Mais vraiment, on va le renommer Jésus, hein, les gars. Oh, c'est beau. Gigi ne vous a pas attendu, bah alors. C'est beau. On a un petit temple par là-bas. Et on a la tour par là-haut. Temple ou tour, les potes? Temple, ouais, les deux ont l'air à équidistance, je veux dire. Ouais, allez, tour. On va faire la tour. Ah, il passait le balai. Ok. Ok, c'est pas ouf là ce qui va se passer pour ma vie. Un taureau! Courez! Ok, c'est bon, on est large, on est large, on est large, on est large. J'ai hâte d'augmenter un peu mon endurance là, ça va être cool ça. On va retourner au village Cocorico après. On va augmenter tout ça. Et ça, ça va nous servir de point de sauvegarde aussi. Et en plus, on va pouvoir voir les temples de haut. Et les marquer. J'en ai marqué pas mal déjà. Ok, sacré chemin en tout cas. Hein. Sachant que ça va être un plaisir à escalader encore. Lui, il peut peut-être m'être utile, non? Si je lui pique son truc. Ah! Un peu trop fâché à mon goût. Tiens, dans ta gueule. Allez. Ok. Allez. Midlife. Bon, on va le faire à la grenade, il est con comme un manche, le bordel. Enfin, la grenade. Tu m'as compris? Pendant que je m'occupe de lui, allez hop, ça dégage. Ah, il est con, hein. Ah, il est littéralement con. Hein. Ah, il a pas fait des études sup, hein, c'est sûr. Oh! Oh là là! C'est beau, putain, ce move! Mister B-Boy! Ah, bah les gars, j'ai été champion de pétanque, hein, après, hein, c'est sûr, hein. Allez, dégage. Allez! Une batte boko, ça c'est propre ça! Et on a tout ce qu'il faut. Incroyable ou pas, messieurs? Quand même. Hop, on va récupérer ça. Parce que ça donne de l'ambre brute. Et ça, ça vaut super cher. Impeccable. Et du silex. Ah ouais, bah il était con, les gars. Après, le gars il reçoit des grenades. Il fait, oh, attendez, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Enfin, des grenades, des bombes, carrément. Donc il est encore plus con que prévu. Voilà. On va éviter de leur chercher des noises à ceux-là.
Oh, comment je vais faire pour passer là? Oh, ça sent pas bon ça, hein. Je peux pas passer là, si? Ah si, si. Ok, qu'est-ce que c'est? Comment on va faire? On peut escalader normal? La tour des limites, d'accord. Oh, qu'est-ce qui se passe? Minus! Salut Vivek, comment vas-tu? Alors, comment elle est cette Switch? L'achetez pas pour l'instant, il y a qu'un jeu, ça vaut pas le coup. J'en profite pour te demander si tu cherches toujours un cinquième. Oui, il faut aller sur ma chaîne secondaire. J'ai mis là-bas. Oh, ouais, j'arriverai pas, j'ai couru avant. Je crois qu'on est mort dans le film. Ah ouais, non, j'y arriverai pas. On va redescendre calmement. Attendez. Oh, c'est chiant ça par contre. Très très chiant. Allez. Je sais pas si je vais y arriver là par contre. Ah, c'est possible mais Ah putain, faut un point pour se reposer. De toute façon on est lancé les gars. On perd pas de temps. On n'a pas le choix. Je suis pas encore à la moitié. Je pense que c'est cuit. Ah non, c'est bon. C'est bon, mais ça va être très très chaud. Ça va être très 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 chaud. J'ose pas sauter parce que ça va nous donner un appui, mais... Ouh là là. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Oh. Non. Mais non. Je peux y arriver. Comment? J'en ai aucune idée. Ok. Ah non, 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 voilà, c'est encore pire. C'est bien ce que je pensais. Aïe, 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 je peux y arriver ou pas, les gars? Ça passe large. Prends ta popo. Ouais, on va faire ça. Allez, parce que c'est vous voulez que je la prenne depuis à peu près 3 ans, là. Je suis sûr que ça passait si on serrait un petit peu. C'est comme en voiture, les potes. Tu serres un peu les bords, il n'y a aucun souci. Allez. On est parti. Les gars, j'ai l'impression que c'est pire. J'ai pas plus. Oh putain, c'est chaud les gars, j'ai pas plus hein. Allez, c'est faisable. On serre les bords. Ah si, ça va. Mais ça donne pas plus. Oh putain, non, je sais pas. Putain! Les gars! Ah, j'ai pris la mauvaise! Oh là, j'ai paniqué. J'ai pris la mauvaise! Mais non, j'en avais qu'une, les gars, j'en avais qu'une. M'avait dit de prendre la popo, faut savoir. J'ai pris la seule popo que j'avais. On la retente. Ah, vous êtes un peu foutu de ma gueule, c'est pas grave. J'avais des amis. On va pile poil serrer les fesses, déjà, ce serait pas mal. Ok, là on perd pas de temps là. Là ça peut le faire là. Sur cette distance. Là c'est pas mal. Oh, j'y arriverai pas, putain, c'est terrible. Allez. Frère, abuse pas ta mère là, putain là. C'est un truc de ouf ce jeu de merde. Gros. T'avais la main sur leur bord, vas-y cousin là, au lieu de casser les couilles à tout le monde. Quel jeu de merde. Vas-y, j'ai tout brûlé là. J'ai envie de tout brûler. C'est un truc de ouf. Vas-y, je bouffe des trucs dégueulasses là, on s'en bat les couilles. Eh mais ce jeu hein les mecs. Quel jeu de merde. Mais réellement. Attends, gros, calme-toi. Allez. Casse-toi. Ok. Y'a pas un feu pas loin, là? Comment on peut faire du feu? J'ai un silex, là. Comme ça, je suppose. Attendez, bougez pas.
Bougez pas, bougez pas. Parce que le silex, faut bien qu'il serve à quelque chose, je suppose. Tu te fous de ma gueule, hein. Ah bah voilà. Bon, on va cuisiner quelque chose qui va me permettre de monter. Ok, qui améliore la concentration. Pour faire gagner de la discrétion. B-Boy, il faut faire un dernier appui juste avant d'arriver sur la plateforme. Tu seras épuisé, mais sur la plateforme. Ouais, je vais essayer ça si ça passe pas. Je vais essayer ça. Bougez pas avant. Je regarde si j'ai pas des trucs... Si j'ai pas des trucs qui me permettent justement gagner en discrétion. Putain, on sent pas les couilles de la discrétion. Ok, souvent près des arbres, très bien. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Renforce le corps, augmente la défense grâce à ses fibres. Elle permet la préparation de restaurer des cœurs. Leur épaisse peau renforcerait les muscles. Une fois cuisinée, augmente l'attaque. Y'a rien qui augmente réellement l'endurance là ? Un indispensable. Un précieux minerai, ok. Ouais. Ok, je vais prendre ça. Vous savez quoi, je vais prendre ça, je vais le cuisiner avec des trucs au pif au mec, j'en ai rien à foutre. Une préparation qui ne convient en... Ok, d'accord. Je vais le mettre avec quoi ? Je vais le mettre avec ça. Un insecte, une grenouille ou un lézard, peut-être non. Ok, peut-être avec ça. Allez, bah ça va pas augmenter. Bon, on va tenter le dernier, une dernière impulsion. Et puis si on peut pas, bah niquez-vous les gars. Ok. Bon, c'est pas mal. Bon allez. Un champignon vert. Ok, 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 ok. J'y vais. Bougez pas. Champignon vert, ok. Ah, préparation de l'endurance. Bien joué à vous les potes. C'est quoi, je vais t'en préparer gros. Allez. Impeccable. Plus d'endurance. Là les gars, sur ma vie, si ça marche pas, je brûle tout. Yo Bibouille, pas de live pour moi ce soir. Je vais regarder la rediff du premier épisode de Zelda et l'épisode d'Horizon. Bonne soirée Kouz. Bah merci à toi Ross. Et pas de soucis, hein, profite bien. Hein. Attends, il s'est foutu de ma gueule, là. Attends, j'ai pas mangé le bon truc, là. Attends. Oh là là, ça commence à chauffer, là. je l'ai mangé, là, non? Il fallait le manger après. Putain, vous êtes lourd. Mais je peux manger quand je suis... Parce que c'est con. Si t'escalades, tu peux pas manger normalement. Bah attends, on va essayer. Tu sais quoi, on va même pas les faire chauffer, on en a rien à foutre. Si, on va les faire chauffer quand même. D'accord, fallait le manger après, très bien. Oh putain, la lourdeur. La lourdeur, lourdeur. C'est la lourdeur, c'est la lourdeur. Non mais, les gars, si j'ai mangé maintenant, c'est que ça me paraissait étonnant que le mec, en plein milieu d'un trajet, accroché, les deux mains occupées, les deux pieds pris... Ah bah non mais t'inquiète gros, je vais manger un petit truc, tout va bien se passer. Frère, à quel moment t'as vu ça gros? Je veux bien que ça soit Link, le héros de mes couilles, mais bon, il est pas capable de monter cet abruti, regardez. Regardez, il escalade un truc d'un mètre. Ça va Oxy? C'est encore moi, c'est la déception. Dedans mon petit cœur, tu joues sur console, je n'avais pas fait attention à ce détail. Ah très bien. Bon bah comme quoi tu vois. Ok. Ah, je peux mettre le feu aux ronces ? Oh, c'est pas mal si on peut faire ça, par contre. Oui, ça me semblerait logique, mais de là, est-ce que le feu monte tout là-haut ? À voir. Ok, je vais la faire, votre dernière impulsion à la con, là. Mais avant ça, je vais essayer de manger, quand même. Ok. Time to manger. Oh ouais, mais quelle arnaque ce jeu, mais mec, à quel moment tu peux bouffer une brochette alors que tu te fais chier à essayer de monter un putain de truc de merde. J'en peux plus. Vous musez. Allez. Putain, eh, c'était la pire tour. Oh là là.
Attends, mec. Rassure-moi, je peux bouffer le champignon comme ça? Yes. Ok. Bon, bah, on est parti. On est parti. Retour de la pluie et du lag. Ah, c'est possible que ça lag encore une fois, hein, les gars. Ce sera pas la première ni la dernière. Tiens, on va se reposer ici même. Comme ça, on n'aura pas de champignons à utiliser. Ok. Allez, on est reparti. On fait 7 tours, les gars. Et puis, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. C'est déjà pas mal. On aura bien avancé, quand même. Dans les embrouilles. Voilà, par contre, attendez. J'arriverai, là? J'arriverai, je crois en moi, les gars. Toujours croire en soi. Toujours croire en soi, les mecs. Quoique. Quoique, il commence à avoir des petites sueurs, là, le frérot. Ok. Oh, les bâtards. Non ! Oh, vous êtes démoniaque, sérieux. Ce jeu, il est possédé, mec. Oh, j'ai envie de chialer. Non ! Mec ! J'ai envie... On va pas faire la tour maintenant, hein, parce que j'ai pété un câble, les gars. Allez, on va s'arrêter là, les gars. On va faire l'escalade au prochain épisode. L'escalade du démon. L'escalade démoniaque. On va faire l'escalade au prochain épisode, les gars. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. On va donc découvrir une nouvelle partie de la map qui sera celle-ci et qui est juste gigantesque au passage. Et on ira voir l'héritage de Zelda. Sans doute le premier donjon, je sais pas. Vous savez quoi, prochain épisode, on va essayer de faire quelques temples. Honnêtement, on va essayer de faire quelques temples, ok? Allez, je vous fais des bisous, les gars. Je balance un peu de pub. Merci à tous ceux qui ont regardé. À très bientôt pour la suite de notre aventure sur Zelda. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.